Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Alexandre Warnet, je suis citoyen lavallois, je suis co-porte-parole de Laval en transition. Et je vais être votre animateur ce soir dans le cadre de cette ultime activité déjà d'effet transition, notre rendez-vous citoyen pour l'environnement, qui a pris son envol pour sa première édition le 29 janvier dernier. C'est donc une activité sur 6 semaines dans laquelle il y a eu 24 différentes activités, 56 conférenciers et panélistes, une école de la transition qui a offert elle-même 8 ateliers pour les 5 à 12 ans pendant la relâche, 22 partenaires et plus de 500 citoyens qui ont assisté à une ou plusieurs des activités offertes dans le cadre de cette ambitieuse aventure. Pour rendre tout ça possible, je me dois de souligner le travail remarquable et inestimable des quelques 34 citoyens qui ont bénévolement et avec passion offert leur temps, leurs connaissances, leur réseau, leur soutien et qui ont mis à profit leur rêve d'un avenir meilleur pour faire de ces projets des réalités. Parce que l'activité de ce soir, c'est aussi l'occasion pour nous de célébrer la réalisation d'Effet Transition et l'envol de la caravane de la transition. Vous me permettrez de nommer en rafale les noms des personnes qui ont rendu ces initiatives possibles. Donc, c'est avec toute ma reconnaissance que je vous dis merci. Josiane Cyr, Nathalie Kidouchim, Georges Neller, Paul-André Dagenet, Karen L.G. Mayel, Adler Louis-Jean, Sarah Louis-Jean, Gilles Lalonde, Janine Cloutier, Roxane Boisvert, Christina Zaidan, Jonathan Falardeau, Geneviève Dagneau, Christian Witt, Eva Mourit, Monique Leroux, Amal Melki, Jimmy Saint-Germain, Arnaud Duhou, Anne-Marie de Medeiros, Marianne Perrault, Sophie Blanchet, Julie Roy, Myriam Rouet, Karima Jaïs, Annick Lachance, Marilyn Mignot, Marie-Ève Cuernier, Sarah Jérôme, Ismaël Alaoui, Ambre Péoré-Repart, Annick Sangor, Jessie Léger et Anthony Leduc. Et merci, merci à toutes les autres personnes qui ont permis de près ou de loin de faire connaître et de rendre possible ces deux projets portés par Laval en transition. J'ai aussi souligné le travail exceptionnel de nos deux coordonnateurs sans qui ces projets ne seraient jamais réalisés, pour la caravane, M. Christian Witt, et pour Effet Transition, Mme Marianne Perrault, ainsi que leurs proches, leurs enfants, leurs conjoints, leurs familles, parce qu'on les a accaparés pas mal dans les derniers mois. Je tiens à leur exprimer toute ma reconnaissance au nom de Laval en transition. Coordonner des projets collaboratifs, ça peut parfois s'avérer périlleux et vous avez relevé le défi avec brio et générosité. Merci du fond du cœur. Ce soir encore, on a des invités exceptionnels. On va échanger avec eux dans un instant. Mais avant de vous les présenter, j'aimerais laisser la parole à M. Stéphane Boyer, maire suppléant, vice-président du comité exécutif et conseiller municipal du Duvernay-Pont-Viau pour la ville de Laval. Stéphane, bienvenue parmi nous. La parole est à toi. Merci beaucoup, Alexandre. En fait, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous ce soir. La ville, on a supporté Laval en transition via l'entente pour le développement des régions, le rayonnement des régions. Et je crois que on a un bel exemple d'implication citoyenne où il y a des dizaines de citoyens qui se sont mis la main à la porte pour faire une activité qui était assez exceptionnelle, littéralement un festival virtuel qui s'est déroulé sur plus qu'un mois. Et je crois que le rôle de la ville, c'est surtout de supporter justement les initiatives citoyennes, de supporter le milieu dans ces projets. Donc, je suis content qu'on ait pu contribuer. Et je vous dirais, dans le contexte de la COVID, de la relance, des changements de société qu'on vit aujourd'hui, on va avoir besoin de l'implication de tout le monde, on va avoir besoin des idées de tout le monde. La COVID va avoir des impacts énormes sur la société. Pensons notamment au fait qu'autrefois, les gens étaient prêts à payer plus cher leur logement pour vivre près de leur lieu de travail. Maintenant, avec le télétravail, est-ce que ça va toujours être la réalité? Si ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'une ville va retenir ses citoyens sur son territoire? Comment est-ce qu'on va continuer à offrir un milieu de vie intéressant, attirant? On parle aussi de plus en plus d'isolation sociale. C'était vrai avant la COVID. Les familles sont de plus en plus petites. Les gens sont de plus en plus isolés. On vient de vivre une année assez, assez isolée. Donc, c'est probablement une tendance qui va continuer. Donc, comment est-ce qu'on brise ce cercle vicieux-là? Puis, bien, l'environnement. C'est sûr qu'on en a parlé peut-être un peu moins dans la dernière année à cause de la crise sanitaire, mais ça reste l'enjeu du siècle de lutter au changement climatique, de s'adapter. Donc, bref, les villes doivent se réinventer. Puis pour ce faire, on a besoin de l'input, on a besoin des idées, de l'implication de tout le monde, de chacun.
parce que c'est pas les gouvernements seuls n'y arriveront pas. Donc, on a besoin de citoyens impliqués, engagés. Puis pour moi, Effet Transition, c'est un exemple merveilleux de ça. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. J'ai très hâte d'entendre nos panélistes s'exprimer sur les différents projets, les différentes idées. Merci. Merci beaucoup, M. Boyer. Je pense que de l'input, vous allez en avoir ce soir. Laval en transition, c'est un mouvement citoyen qui est né d'une volonté commune d'unir nos forces pour diminuer notre empreinte écologique, transformer positivement notre communauté puis lutter activement pour renverser la crise climatique. Les valeurs qui guident nos actions, puis les actions des citoyens et des citoyennes de Laval, sont la participation, le plaisir, la démocratie, la communauté, le respect mutuel, l'imagination et l'audace. Et c'est inspiré par ces valeurs que Laval en transition désire rendre hommage aux peuples autochtones qui, bien avant l'établissement des colons européens, étaient présents sur les terres où nous sommes rassemblés, même virtuellement. Alors, on désire souligner que ces terres font partie du territoire traditionnel non cédé des Ganyangaga, qu'elles ont longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Au nom de Laval en transition, je remercie aussi nos partenaires qui ont rendu cet événement possible. Donc, merci à nos grands partenaires, la Caisse d'économie solidaire des Jardins et la Ville de Laval pour leur soutien qui est essentiel. Merci à Simi Kinox et tout spécialement Gildo Conte qui a propulsé les 24 activités d'effet transition via la plateforme regardezmoi.ca et qui est encore avec nous aujourd'hui. Merci également au Pôle régional d'économie sociale de Laval, à la Société de transport de Laval et à la Fondation David Suzuki pour leur immense soutien. Finalement, Effet Transition est possible grâce au soutien financier du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec et à la contribution de nombreux élus et amis des citoyens qui ont permis la mise en place d'Effet Transition. Je sais que nous avons parmi nous en ce moment M. Angelo Iaconu, député fédéral d'Alfred Pelland, ainsi que plusieurs conseillers et conseillères municipaux. Et je voudrais vous remercier de votre présence. On est très heureux de susciter votre enthousiasme pour les questions municipales et leur avenir. Une liste exhaustive de tous les partenaires est disponible sur le site effettransition.ca pour étancher votre curiosité. Et finalement, avant de se lancer dans le panel, on a un dernier invité de marque à qui nous laisserons la parole avant de débuter notre activité. C'est un honneur de vous présenter ces quelques mots filmés spécifiquement pour Effet Transition de la part du prix Nobel de la paix 2007 et ancien vice-président des États-Unis d'Amérique, M. Al Gore. Il est fondateur de Climate Reality Project, un organisme à but non lucratif voué à résoudre la crise climatique, avec qui j'ai d'ailleurs eu le privilège d'être formé pour devenir moi-même un ambassadeur du climat. Monsieur le vice-président, la parole est à vous. Hello, and thank you so much for inviting me to speak at this important event, especially at this crucial time for action in Canada and around the world. We human beings continue to spew more than 150 million tons of man-made global warming pollution into the thin shell of atmosphere surrounding our planet every single day, as if that atmosphere is an open sewer. And all of the extra heat energy trapped by the accumulation of the man-made global warming pollution, it stays up there an average of 100 years per molecule, all that accumulated heat energy is now equal to the amount that would be released by 600,000 Hiroshima-class atomic bombs exploding in the Earth's atmosphere every 24 hours. According to the United Nations Environment Program, we need to deliver reductions in emissions of 7.6% every single year between 2020 and 2030 in order to limit global warming to no more than 1.5 degrees Celsius. So the urgency is clear. Canada is feeling the impacts of the climate crisis right now. The average annual temperature in Canada has already warmed by 1.7 degrees Celsius just since 1948, and huge wildfires have been raging at an increasingly dire scale in places like Alberta. I firmly believe that we can win this fight because, for one thing, we have the technology in hand today to cost-effectively replace fossil fuels with clean, renewable energy. In doing so, Canada can and should undertake a just transition, partly to ensure that fossil fuel workers
have good jobs that provide dignified and decent futures for them and their families. And we must continue to integrate indigenous nations into this work. Their traditional knowledge and solutions have something to offer to people of all backgrounds. It is citizen action, embodied in the thousands of Canadian climate reality leaders, that continue to move us forward. While a great deal of community and grassroots organizing has made a big difference, the urgency of the climate crisis demands that all of us rise even higher to meet the challenge. There's no act too small to make a difference. Actions taken at the local level, for example, convincing your municipality to set a carbon neutrality goal. Such actions feed their way up to the Pan-Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change, and even on up to the international level. So while I congratulate you on the outstanding work today, I also want to challenge you to rise to this moment. Use your voice to speak truth to power and help organize your fellow Canadians to demand more ambitious action. Together, we can protect our planet for the next generation. Thank you again for inviting me, and I wish you all the best. Merci beaucoup, M. Gore, pour ce message réalisé pour notre événement et merci au Projet de la réalité climatique Canada pour leur soutien. Donc, je pense que ce message met parfaitement en lumière l'urgence de passer à l'action, oui, comme citoyen, mais aussi la nécessité que nos dirigeants fassent preuve de courage, de lucidité et d'ambition pour s'attaquer aux enjeux liés à la crise climatique et à la transition socio-écologique. Autre petite information, elle est cachée parmi nous, mais il y a Marianne Perrault, notre coordonnatrice d'effets transition. Elle nous joindra plus tard pour nous faire part des questions qui seront écrites par les participants, par vous, dans la plateforme Regardez-moi. Donc, je vous invite d'ailleurs tous à utiliser la zone de discussion sur la plateforme pour formuler vos questions ou vos commentaires. Et Marianne viendra nous rejoindre plus tard et elle sera votre voix. Finalement, cette activité, elle est enregistrée, elle sera accessible sur la plateforme pour les détenteurs de passeports d'effet transition jusqu'au 12 juin et ensuite elle sera rendue accessible au grand public. Après avoir mis l'emphase sur les citoyens, beaucoup tout au long d'effet transition, on en arrive ce soir à notre panel dans lequel on se pose la question « À quoi ça ressemble les municipalités de l'avenir? Quelle vision devrait guider notre développement municipal? » Quels changements structuraux est-ce qu'on devrait opérer dès aujourd'hui? Puis concrètement, vers où est-ce qu'on a envie d'aller collectivement? Et pour en parler, pour rêver, pour proposer ensemble la municipalité de demain, on a ce soir un panel composé de penseurs et d'acteurs de la transition qui, ensemble, vont dresser un portrait de l'avenir d'une municipalité, chacun avec sa vision propre. Alors, bonsoir à vous quatre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous nomme en rafale et par la suite, je vous demanderai de vous présenter. Donc, on a Chloé Dodino de Selon Collectif, Elisabeth Liston de la Maison de l'innovation sociale, Éric Forêt de Dark Matter Labs et Nouveaux Voisins et Christian Savard de Vivre en ville. Donc, j'aimerais tout d'abord qu'on apprenne un petit peu plus à vous connaître. J'aurais envie de vous passer la parole pour vous demander de vous présenter succinctement votre organisme, puis aussi pourquoi est-ce que vous avez accepté de participer à un panel sur les municipalités de l'avenir. Alors, commençons avec Chloé. Bonsoir. Alors, rapidement, Chloé Dodino, je coordonne les projets de transition pour la Rosemont La Petite Patrie, pour Solon. Solon, on est un organisme qui existe depuis 2015, qui œuvre en transition socio-écologique, surtout à Montréal. Puis, on est surtout connu notamment pour des projets en mobilité, comme par exemple Locomotion ou Celsius, qui est un projet en géothermie de ruelle. Mais on va avoir le temps là, de parler un peu plus des projets. Moi, en fait, mon parcours très rapidement, juste avant en fait, d'être à Solon, j'étais directrice générale du réseau québécois de villes et villages en santé. Et avant, encore une fois, directrice de l'écoquartier. Donc, le rôle citoyen versus municipalité a toujours été vraiment quelque chose de très moteur dans mon parcours professionnel. Puis, ça m'a toujours très, très intéressé, ces questions-là, de la force citoyenne, du collectif citoyen dans une gouvernance locale de proximité, comme peut être les municipalités d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça là, que je suis ravie d'être là ce soir. Merci beaucoup.
Merci d'être là. Donc, avec Ville et Village en santé, le lien avec même les fêtes de voisins, hein, la communauté, c'est quelque chose qui est très, très fort. Donc, merci beaucoup. Passons à Elisabeth Listen de la Maison d'innovation sociale. Oui, bonjour. Donc, effectivement, Elisabeth Listen, je suis directrice des communications et du marketing pour la Maison de l'innovation sociale, qu'on appelle, pour faire plus court par son acronyme, la MIS. Donc, auparavant, j'ai eu ma propre société pendant 7 ans dans le domaine d'édition de multiples d'art. Quelques 8 ans d'expérience aussi à la Ville de Montréal, toujours en communication, tant à la Ville-Centre qu'en arrondissement, notamment à Montréal-Nord. Et 6 ans comme chef des communications à la SHDM, donc la Société d'habitation et de développement de Montréal, qui est une paramunicipale de Montréal. Je me suis jointe à la Maison de l'innovation sociale il y a 3 ans, parce qu'après avoir transité en entrepreneuriat, en culture, dans le privé, le public, la parapublic, ça me semblait être le saut pertinent et cohérent de me joindre avec une entité intermédiaire qui travaille avec toutes les parties prenantes de la société. Donc, la MIS avait effectivement piqué ma curiosité, puis quoi de mieux que de travailler au quotidien avec des actrices et des acteurs de changement comme vous. Et en bref, pour vous expliquer un peu qu'est-ce que fait la Maison de l'innovation sociale, c'est une jeune organisation sans but lucratif qui est localisée à Montréal, qui a été fondée en 2017 et qui a comme mission de favoriser l'émergence et le développement d'un plus grand nombre et d'une plus grande diversité d'innovations à fort potentiel d'impact social et environnemental au Québec. Donc, ces activités et ces programmes centrent principalement dans la R&D sociale, donc la recherche et développement de solutions à des problèmes sociaux et environnementaux, et dans le soutien surtout de projets qui sont encore dans leur phase d'amorçage, donc tout ce qui est idéation, prédémarrage. Et pour finir, on aime dire ici à la MIS que la MIS œuvre à éliminer les obstacles qui se dressent entre une idée à impact social et environnemental et sa mise en œuvre. Alors, merci beaucoup pour l'accueil ce soir. Je suis ravie de pouvoir remplacer mon patron, Patrick Dubé, qui est directeur général et qui n'a pas pu se joindre à nous ce soir. Et qu'on salue. Merci beaucoup, Elisabeth. Émile Forêt de Dark Matter Labs. Est-ce qu'on dit les laboratoires de la matière noire en français? De la matière sombre. Oui, donc Émile Forêt, d'abord, merci pour l'invitation. Je pense qu'on était très excités de la recevoir et de l'accepter d'être ce soir ici pour parler des municipalités de l'avenir. Donc, je m'appelle Émile Forêt, comme il a été mentionné. Mon parcours a été plutôt dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, de la sociologie environnementale. J'ai travaillé ensuite pendant 5 ans pour une coopérative de travail qui s'appelle L'Enclume, qui œuvre encore dans la planification et la conception des territoires. Aujourd'hui, ou plutôt ce soir, je vais porter 2 chapeaux qui sont mes 2 chapeaux les plus récents. C'est-à-dire, il y a 2 ans, j'ai cofondé avec des amis un organisme à but non lucratif qui s'appelle Nouveaux Voisins, qui est essentiellement l'idée, c'est de questionner la culture du gazon et plus largement, finalement, de réintégrer la biodiversité dans nos milieux habités. Donc, les Nouveaux Voisins, c'est nous qui transformons nos pratiques, mais c'est aussi les différentes espèces qu'on laisse entrer, finalement, sur le territoire d'une autre façon. Et sinon, de façon plus permanente, je suis l'un des ouvriers du laboratoire de matière sombre. Donc, ça sonne compliqué comme ça, mais je pense que, un peu comme Elisabeth, je vais choisir l'acronyme pour ce soir, donc DML qui est plus facile. Mais donc, DML, c'est plutôt une proposition, je dirais, parce que on accompagne des villes, on accompagne des pays ou différentes institutions à réfléchir à cette idée de la matière sombre qui est, dans les faits, très simplement, un peu les structures qui influencent les milieux dans lesquels on vit. Donc, après ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, par exemple, moi qui ai eu un parcours justement en urbanisme, en architecture, ben, on apprend à concevoir les choses qui sont physiques, mais ces choses physiques-là, finalement, tiennent debout parce qu'il y a des règlements, parce qu'il y a des structures financières, parce qu'il y a des mécanismes de gouvernance, et parce qu'il y a beaucoup aussi, je dirais, une culture contractuelle ou une façon de voir les acteurs et leurs relations dans la société. Donc, au labo, ce qu'on essaie de faire comme proposition, c'est de se dire, ben, ces différentes dimensions-là, c'est là qu'il faut intervenir en partie pour ensuite transformer nos milieux, puis là, les façons dans lesquelles on les habite, puis on les conçoit, puis on les planifie. Et c'est drôle parce que notamment les projets qu'on a au Québec, c'est avec, pour le moment, c'est avec la Maison d'innovation sociale et c'est avec Solon. Donc, c'est un peu un panel en famille ou entre amis, du moins pour ce soir. Donc, bref, je suis très content d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Donc, on comprend que la matière noire, c'est l'intangible qui sert à transformer le tangible. Ça explique le nom. Merci beaucoup. Et maintenant, Christian Savard de Libre.
Bonsoir à tous. J'ai failli oublier mon micro, comme le grand classique de cette pandémie. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Très content d'être avec, là avec vous ce soir. Je vais avoir aussi l'occasion d'expliquer pourquoi, à quel point je suis content, un petit peu plus loin dans les questions. Vivre en ville est une organisation d'intérêt public née au milieu des années 90 de la fesse gauche du développement durable et du sommet de Rio de 1992. Donc, notre mission vise tout simplement à faire que nos collectivités aient un impact environnemental moins fort, contribuent au bien-être et à la prospérité de ses habitants, tout en étant équitable d'un point de vue social. Donc, assez classique. On est actuellement autour environ 35 employés divisés entre trois bureaux, Montréal, Québec et Gatineau. Beaucoup de travail avec toutes sortes de collectivités au Québec. Je me fais toujours le plaisir de dire que, par exemple, de la dernière année, on a travaillé avec l'arrondissement du Sud-Ouest, mais également avec Saint-Camille. Donc, on a beau s'appeler Vivre en ville, on s'intéresse à tous les milieux du Québec. Et je vous dirais, juste pour commencer tout de suite dans le contenu puis arrêter dans la biographie, une de nos obsessions qu'on s'est données dans les dernières années, c'est le fait que le compteur roule. C'est-à-dire qu'au Québec, on accueille bon an, mal an, 110 000 nouvelles personnes. Parce qu'on va parler du Québec, qui est notre terrain de jeu, qui est notre contribution à notre avenir collectif sur cette planète-là. On accueille, bon an, mal an, 110 000 personnes. Donc, ça peut représenter 40 50 000 ménages. Donc, 40 à 50 000 nouvelles unités d'habitation, peu importe de son type, qui se construit. Et je dirais que dans les dernières années, une de nos obsessions, c'est de faire en sorte que ces 40 à 50 000 nouvelles unités d'habitation-là aient le moins d'impact possible. Parce que beaucoup, qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, il faut s'en occuper, puis il va y avoir des super beaux exemples aujourd'hui, là. Mais beaucoup de qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, c'est plus long. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est continuer à creuser notre fossé, notre déficit environnemental. Donc, j'ai goût de tout de suite placer mes prochaines interventions sous cette lunette-là. Qu'est-ce que ça va me faire apprendre de pouvoir prendre les raccourcis dans le reste des interventions? Encore une fois, merci de l'invitation. Merci beaucoup d'être avec nous. Puis on sent qu'on sait, on en a parlé beaucoup tout au long des faits de transition, de ce temps qui court de plus en plus vite, hein, pour la perte de la biodiversité, pour les effets des changements climatiques, pour un réchauffement planétaire. Donc, il y a plein de cadrans qui nous donnent le signal d'aller de plus en plus vite dans nos transformations. Alors, j'aimerais commencer par une question plutôt large, justement, qui vous permettra d'établir un peu votre point de vue, votre angle particulier. La municipalité de l'avenir, si je dis ça simplement comme ça pour vous, à quoi est-ce que ça ressemble en quelques points? Commençons par Elisabeth. Alors, pour moi, une municipalité ou la municipalité de l'avenir, c'est un lieu qui comporte une communauté qui est avant tout résiliente et qui a les moyens de ses ambitions ou la capacité de s'adapter aisément aux enjeux qui changent, aux enjeux finalement du 21e siècle. Et c'est pas rien d'avoir cette capacité d'adaptation, c'est en fait la clé, à mon avis, pour la transition. C'est une municipalité où l'engagement, l'empowerment des gens et de ses citoyens, leur créativité sont soutenues par une diversité de personnes, mais aussi par les autorités municipales, de sorte à renverser finalement la dynamique et les modèles de gouvernance qui sont plus top-down ou de prise en charge totale des citoyens. C'est la municipalité du futur, pour moi, valorise les nouveaux modèles de gouvernance qui renforcent la capacité d'action des citoyens, je l'ai dit, le partage de responsabilités, mais qui met aussi de côté le côté unidirectionnel où on transpose finalement à l'appareil municipal l'obligation de tout régler pour le citoyen une fois qu'il a voté. Pour moi, une communauté qui est résiliente, il faut qu'elle puisse nourrir sa capacité d'adaptation, de s'émanciper. Il faut du lien, du capital social, de l'engagement, de la mobilisation dans le concept finalement de ce qu'on appelle le vivre ensemble.
il faut encourager la co-création, le meilleur partage des décisions avec les autorités, les municipales, mais aussi le privé, le communautaire, les citoyens. Et tout ça doit aller au-delà du vote de 4 ans, comme je disais. Il y a place à l'innovation, à mon avis, et on doit l'exploiter davantage. On doit exploiter davantage la créativité, puis comme en témoignent les multiples initiatives de l'Aval en transition, de l'effet transition qu'on a vu dans les 24 dernières activités, pardon, de Solon, d'IML. C'est ça, c'est de miser sur cette mobilisation hyper locale-là et peut-être de les mettre à l'échelle. Et si je peux conclure avec ça, l'innovation sociale, pour moi, c'est un vecteur, justement, qui facilite cette démarche-là, cette mise à l'échelle-là. Donc, la co-création, ça, le partage de pouvoir, on est quand même assez loin d'une structure municipale qu'on connaît aujourd'hui généralement. Et d'ailleurs, Laval est une des villes les plus centralisées au Québec dans son cadre de modèle de gouvernance et la participation citoyenne. Je dis ça au passage. Alors, sur la même question, Émile, la municipalité de l'avenir, ça ressemble à quoi? C'est intéressant que tu mentionnes la centralisation de Laval, parce que dans les faits, Laval était une multitude de municipalités à la base. Puis, ça, je pense que ça ouvre bien à ma vision quand j'ai essayé de répondre à cette question-là, parce que un peu comme, je dirais, il y a une déformation professionnelle où, finalement, en m'interrogeant sur cette municipalité de l'avenir, j'essaie de l'imaginer physiquement. Puis, après quelques secondes, je me disais, finalement, il n'y a peut-être pas tant d'intérêt à l'imaginer physiquement parce que, un peu comme le contexte de Laval qu'on vient de parler, je pense qu'au contraire, si on peut souhaiter quelque chose pour la municipalité de l'avenir, c'est qu'elle soit plurielle en termes de forme et en termes d'incarnation sur le territoire. Plurielle au sens où je pense qu'il y a plusieurs types de stratégies d'action climatique qui va être un peu au cœur de notre discussion ce soir, qui sont des recettes gagnantes, mais la façon que les communautés peuvent les approprier puis finalement les transmettre sur leur territoire dans un dialogue avec leurs citoyens, je pense que c'est là qu'est l'enjeu finalement futur. Puis donc ma deuxième réflexion, ça a plutôt été de dire ben si l'adaptation et la translation ou la traduction locale est pour moi le nerf de la guerre. Je pense que ce que je souhaite ou ce que je vois dans les municipalités de l'avenir, c'est plutôt 4 petits points assez simples. Mais c'est, je pense que les municipalités ont besoin d'autonomie. Et au Québec, ça va être difficile parce qu'on a un traumatisme politique qui a été vécu par rapport à certains, avec la commission Charbonneau. Mais l'autonomie politique, c'est de se dire, puis ça recoupe beaucoup de trucs qu'Elisabeth vient tout juste de mentionner, mais c'est l'idée du le gouvernement de proximité qu'on a reconnu en 2017. C'est quoi la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape pour s'assurer non seulement d'une autonomie qui permet d'adapter finalement les recettes climatiques, d'adapter les recettes pour une équité sociale qui est diversifiée, mais aussi une autonomie qui fait que les gens vont avoir le goût de s'engager dans leur municipalité puis qu'ils vont avoir aussi des politiciens qui sont de plus en plus intéressés et intéressants. Il faut que ce gouvernement-là ou ce palier-là le soit. Ensuite, je pense que c'est l'idée des co-bénéfices qui est assez simple, qui est plutôt une idée économique ou de développement, mais c'est je pense que ce que je souhaite aux municipalités de l'avenir, c'est que chaque action qu'elles fassent ait cette idée où les retombées doivent être plurielles. Et il faut arrêter, par exemple, de s'étendre dans des infrastructures qu'on n'est plus capable de payer après un certain temps parce qu'il y avait une vision qui était celle, par exemple, de la taxe foncière. Deux autres points, après ça, je vais laisser parler à d'autres, mais je pense que je l'ai mentionné un peu dans l'autonomie, mais c'est l'idée de la municipalité, pour moi, je la vois comme un lieu d'engagement, un lieu qui est finalement le palier le plus proche des gens, donc celui où on apprend la démocratie et où la démocratie devient intime. Et ça, sans rentrer trop dans le concret, je pense qu'il y a un potentiel qui est des fois peu exploité où ça devrait être une responsabilité puis à la fois une fierté d'être une ville qui est capable de transmettre cette capacité démocratique-là à des citoyens de tout âge. Et finalement, je dirais le mot le plus poétique, c'est nature, le plus complexe, c'est écocentrique, mais je pense que finalement, les ces municipalités-là, je les vois comme des lieux où la nature, on la réintègre, mais elle n'est pas une coulée verte un peu abstraite, mais on apprend à plusieurs échelles, je pense, à vivre avec la nature autrement et donc la connaître, mieux l'intégrer, puis planifier le territoire aussi selon cette perspective-là, donc d'une nature qui ne sert pas juste nous, mais qui a des besoins aussi à répondre. Et je pense qu'il y a quand même plusieurs solutions qui peuvent être décelées. Là. Merci beaucoup. On aura l'occasion de revenir à l'écocentrisme un peu plus tard. On se posera la question de développement durable, notamment. Puis, je me permets juste de noter
le paradoxe entre cette nouvelle nomination des municipalités qui sont des gouvernements effectivement depuis 2017 et un lieu de démocratie, alors que ça n'a jamais vraiment été dans la volonté de donner les compétences ou les sources de revenus nécessaires pour développer les compétences citoyennes et civiques des citoyens aussi. Là. Donc, on a cet espoir-là, mais on n'a pas les moyens de développer ces compétences-là. On aura peut-être l'occasion d'y revenir aussi. Maintenant, Chloé, j'aimerais vous entendre sur la même question. Pour vous, la municipalité d'avenir, ça ressemble à quoi? Alors, comme on est en discussion, j'avais préparé tout un beau paragraphe, mais je vais tout scraper parce que je trouve que Émile et Elisabeth, on a déjà parlé. En fait, cette question-là, elle est super intéressante, puis c'est quelque chose qu'on fait régulièrement chez Solon, de visualisation. On ferme les yeux, on se dit, OK, on se voit comment là, dans l'avenir. Puis l'avenir, c'est quelle ligne de temps là? Est-ce qu'on parle de 5, 10 ans, de 100 ans là? On parle de quoi là, quand on imagine le futur? Puis c'est ça, donc on fait cet exercice régulièrement, notamment quand on imagine un récit alternatif. On est beaucoup aussi là-dessus chez Solon, là, pour réfléchir. C'est quoi le récit là, qu'on se donne pour justement faire en sorte de déconstruire le récit dominant actuel? Et la place de la municipalité est extrêmement importante dans ce récit alternatif qu'on se souhaite. Je voudrais aussi dire un petit mot que pour moi, municipalité, ce n'est pas seulement les villes, c'est aussi, ça, comme tu disais, Émile, un des gouvernements de proximité. Puis ça touche autant des petits villages que des villes moyennes, que des grandes villes comme Laval ou Montréal. Et c'est une réalité vraiment plurielle et des contextes vraiment différents au Québec. Mais pour moi, avant tout, c'est vrai que quand je ferme les yeux, ce que je vois, bien sûr, c'est une ville plus verte, c'est une ville, bien sûr, carboneutre. Elisabeth, tu parlais de résilience. Ça, c'est bien sûr, on a tout de suite ça assez rapidement en tête. Mais moi, ce que j'aimerais, dans ma petite intervention de 3 minutes, c'est aussi de mettre le doigt un peu plus sur le côté plus social, en fait, parce que pour moi, on parle beaucoup de transition écologique, mais il ne faut pas oublier la transition socio-écologique, puis l'importance, en fait, de la justice sociale et de se dire que, dans cette municipalité de l'avenir, j'espère, en tout cas, que c'est une municipalité où tout le monde aurait le droit à un logement décent avec ce qu'on vit aujourd'hui dans la crise du logement, de se nourrir, de se sentir qu'à tout moment, ils se sont écoutés, comme tu disais, Elisabeth, là, que vraiment, la capacité d'agir, la capacité de pouvoir transformer de toutes et tous puisse vraiment avoir lieu. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose pour moi, pour nous, en fait, c'est selon une source vraiment là, de mobilisation dans nos différents projets, l'importance vraiment là, d'une transition pour tous. Un dernier point aussi, c'est que nous, on voit cette municipalité heureuse, avec des citoyens qui sont heureux d'habiter, qui ont un sentiment d'appartenance, une fierté face à l'endroit où ils habitent, et vraiment de se dire que la transition, la municipalité de l'avenir, c'est fait dans la joie et non dans la contrainte. Elisabeth, tu revenais beaucoup sur la question de la résilience, puis nous, chez Solon, on imagine aussi également dans la joie, et ça, c'est vraiment quelque chose aussi, un autre moteur qui nous pousse beaucoup et qu'on se dit que la municipalité de l'avenir, cet avenir-là n'est pas si sombre, on l'espère en tout cas pas si sombre que ce qu'on peut avoir aujourd'hui comme réaction, puis des co-anxiétés face aux différentes nouvelles qu'on a. Et on se dit que justement grâce à un récit plus alternatif, cette municipalité va être heureuse, puis on l'espère en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Je ne peux que souligner le fait que Laval en transition comme mouvement citoyen qui s'inscrit dans le large mouvement des villages en transition est exactement dans cette perspective-là de dire que la transition, elle peut se faire de manière festive et on essaie aussi de mettre ça dans chacune de nos actions. J'ai envie de vous rebondir tout de suite avec une petite question où je joue l'avocat du diable, Chloé. Christian a mentionné tantôt la vitesse, hein? Il y a des enjeux, il y a une urgence. Les scientifiques nous disent qu'il y a plein d'urgences. Et en même temps, cette transition, elle doit être juste et équitable. Est-ce qu'il n'y a pas là une tension entre le besoin de faire des changements rapidement, quitte, diront certains, à laisser des gens derrière, versus la perspective d'une transition juste et équitable? Alors, cette question, je pense que on se la pose en chaque réunion d'équipe tous les jours. C'est vraiment très, très dur. En fait, pour nous, la lutte au changement climatique ne peut pas se faire sans la lutte contre la pauvreté.
En fait, c'est sûr que ça va prendre peut-être plus de temps et que c'est vrai qu'on est face à une urgence, mais si l'un va sans l'autre, c'est là où on va perdre justement cette résilience, c'est là où on va perdre cette idée de projet de société. On va aller quelque chose de beaucoup plus clivant, on va aller vers quelque chose qui va être une société qui va être vraiment plus divisée. Alors que pour nous, chez Solon, cette convergence, c'est vrai que c'est peut-être un idéal, mais on y croit, on tend vers. C'est pas facile, loin de là, puis on va pouvoir peut-être y revenir dans les questions. Mais sinon, je pense que, en tout cas, chez Solon, si, l'un va pas sans l'autre. Et on voit qu'est-ce que ça donne chez nos voisins du Sud, une société qui est divisée. Alors, Christian, ben, je vous pose aussi cette question. Les municipalités de l'avenir, pour vous, à quoi est-ce que ça ressemble? D'entrée de jeu, c'est une municipalité, c'est pour ça que j'ai un peu placé la table au reste de mes interventions. C'est une municipalité qui est régénératrice, réparatrice. Je l'ai dit, le temps, on le sait qu'on a pris une tangente écologique, puis dernièrement aussi sociale et au niveau de l'équité. Jusqu'à les années 70, ça allait bien, hein? Les inégalités abaissaient. Depuis les années 80, tranquillement, elles augmentent. Mais d'un point de vue écologique, de toute manière, notre poids est trop grand. Donc, dorénavant, une des obsessions d'une municipalité doit être de ne pas causer de dommages, donc un peu obsédé par la protection des milieux naturels, par exemple, ne plus avoir d'impact et au mieux, comme je le disais, la nouvelle population, parce que ça, il faut jamais l'oublier, on peut pas l'arrêter. Il faut gérer ce nouvel afflux-là et il faut se servir de ce nouvel afflux-là pour faire effet levier et réparer des choses et pas creuser notre déficit. Et là, et c'est le fun, on va avoir un tout petit peut-être différent. Moi, je vois des limites à l'autonomie de ces municipalités-là. Il doit y avoir des règles globales, on peut parler à l'échelle du Québec, qui sont communes et qui doivent s'imposer à toutes. Donc, et là, ça, c'est une limite à l'autonomie. À le même exemple que les pays ont signé l'accord de Paris en principe qui est contraignant, mais les villes devront avoir des limites qui sont les mêmes. Parce que si on donne l'autonomie, mais l'autonomie ne sera pas utilisée de la même manière par tous. Je vais te donner l'exemple. Si je donne l'autonomie à certaines villes de banlieue éloignées, bien, elles vont être obsédées par élargir leur périmètre d'urbanisation, gruger sur les terres agricoles, gruger sur les milieux naturels, parce que pour elles, à l'interne, bien, ils sont pas dans une dynamique de transition écologique, ils sont dans une dynamique de développement économique à la saveur des années 80. Dans ce cas-là, l'autonomie va nous empêcher de progresser. Donc, c'est important aussi d'avoir un très grand... Et c'est pour ça que je vais plutôt au niveau des citoyens quand on parle d'autonomie ou en tout cas de prise de pouvoir versus des administrations. Et parce que les administrations, après, elles peuvent être dans peut-être des vieux patterns. Donc, je remettrai en question un petit peu cette question d'autonomie-là. Et je suis sûr que dans le fond, tout le monde est un peu d'accord avec ce que je dis, mais je fais juste souligner que quand on prend le discours d'autonomie, on peut prendre le discours aussi d'un certain étalement et ainsi de suite. Je finirai en disant, et là, ça rejoint en partie ce que disait, par exemple, Chloé, c'est la ville de la proximité, du partage, du vivre ensemble qu'on a perdu un petit peu. Puis parfois, m'inquiète, avec la pandémie, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Où est-ce qu'on se côtoie? Où est-ce qu'on partage des choses? On parle beaucoup des communs, à titre d'exemple. C'est une des meilleures manières qu'on a pour rationaliser notre consommation de ressources, c'est de partager un certain nombre de choses, ce que les tendances des dernières années nous amènent pas. Donc, une ville obsédée un peu par le partage, et le partage, ça peut vouloir dire un parc, ça peut vouloir dire des véhicules, ça peut vouloir dire toutes choses, selon sont très bons là-dedans. Donc, je dirais ça également. J'en aurais beaucoup encore à dire, mais je finirai là-dessus. Merci beaucoup. Oui, Elisabeth, est-ce que c'est un signe pour réagir? Oui. Ben, si tu veux, je peux réagir très rapidement. Absolument. Oui, Christian parlait, en effet, quand on parle de règles d'autonomie, tout ça, peut-être que j'aimerais lancer peut-être dans le pavé de dire qu'on peut peut-être partager des mêmes cibles hein, pour effectivement accélérer cette transition-là puis consolider en fait la volonté démocratique
d'accélérer cette transition-là. Mais comme Émile disait, comment est-ce qu'on fait pour motiver le citoyen à s'engager? Comment est-ce qu'on fait pour, au-delà de juste de le motiver à s'engager et puis de réinventer ces récits-là, il faut à un moment donné aussi se responsabiliser par rapport à notre rôle comme citoyen. Donc peut-être que, au-delà de partager des cibles, le comment on y arrive pourrait être redonné aux municipalités, parce que le top-down ne fonctionne pas avec les citoyens. Lorsque le citoyen peut faire émerger sa propre solution, parce que le citoyen ou la citoyenne vit cette même problématique, donc est le plus apte à proposer une solution, il va y avoir adoption et intégration. Il va y avoir, le citoyen va intégrer finalement la solution qui s'offre à lui ou à elle. Donc peut-être que je dirais que oui, pour les cibles communes, mais le comment serait à chaque municipalité. L'autonomie, on pourrait aller la chercher dans le comment peut-être. Si je me permets de faire le parallèle avec les valeurs que j'évoquais de Laval en transition tantôt, il y a celle du risque et de l'audace, prise de risque. Alors peut-être que certaines municipalités vont être plus ouvertes à prendre des risques que d'autres. Enfin, je dépose ça ici. On vous avait mentionné les communs. Alors c'est un concept que je pense qu'il faudrait, creuser un petit peu plus. C'est pas tout le monde qui est nécessairement au courant de ce que c'est les communs. Alors Chloé, j'ai envie de vous entendre là-dessus. Je vous vois hocher de la tête. Qu'est-ce que c'est pour vous et pour Solon, les communs? Et comment est-ce que ça impacte la façon dont on vit la vie municipale? Ben, Christian l'a bien introduit. C'est vraiment, pour nous, une espèce de troisième voie qui rend vraiment possible la transition dans le contexte actuel et dans le contexte futur des changements climatiques. Les communs, en fait, nous, on le définit comme, en fait, ce sont les usagers qui décident qui sont décisionnels, qui sont au cœur de la gouvernance du service ou de l'outil qu'ils utilisent. Les plus connus, en fait, c'est les communs numériques avec Wikipédia. Mais nous, on travaille aussi sur des communs physiques, comme par exemple des tiers-lieux. Donc les tiers-lieux, en fait, ce sont les citoyens qui se rencontrent pour décider en fait, de ce qu'ils veulent voir dans ce lieu de rencontre-là. C'est des projets de mobilité, de partage de véhicules. Donc là, en fait, où c'est les citoyens, encore une fois, qui décident des différentes fonctionnalités de ce partage-là. Donc, vous voyez un peu l'idée d'avoir une espèce de modèle alternatif, la fameuse ni privé ni public. Donc, c'est un peu plus complexe que ça, mais ça rend un peu plus clair là, cette question là, de troisième voie là, des communs. Puis, on pense nous aussi là, que c'est vraiment une voie qui est vraiment très, très intéressante dans le futur, notamment là, quand on se situe dans une action de gouvernement de proximité. Tant qu'à vous avoir, Chloé, j'ai envie de vous poser la question, justement, quand on parle de transition socio-écologique, comme on a parlé tantôt, l'aspect social et écologique, selon vous, quelles sont les plus grandes menaces ou les plus grandes et, en fait, les plus grandes opportunités qu'on peut avoir en termes de transition? Oui, hein, on va pas parler que de menaces, hein, parce que sinon on va sortir de cette soirée bien trop déprimée. Non, mais c'est ça. Quand on regarde les menaces, nous, on les voit aussi d'un point de vue peut-être un peu plus macro. Donc, on voit des menaces vraiment de résistance au changement, où on sent que le système capitaliste est un système qui est fort, qui est lourd, qui y a un risque d'instrumentalisation très importante là, des projets qui peuvent émerger en fait de la transition socio-écologique. On voit là justement là, d'avoir quelque chose de plus technocentré, par exemple avec, prenons l'exemple de l'électrification des transports. Nous, vraiment, pour nous, on voit cette menace-là. Et donc aussi potentiellement d'en faire quelque chose de clivant, là, comme j'en ai parlé un petit peu en introduction. Donc ça, pour nous, c'est une menace. Une dernière menace aussi, c'est le fait que justement, on veut en faire un projet de société, mais ça peut, de par en fait l'urgence d'agir, épuiser les personnes qui travaillent en transition socio-écologique et d'avoir comme justement une dichotomie trop importante entre le réel et l'imaginaire et ce qu'on aimerait voir apparaître, ce qui peut arriver vraiment là un épuisement là des personnes qui œuvrent en fait en transition socio-écologique dont les citoyens bien sûr font partie, d'où l'importance vraiment là du care, là on est beaucoup là-dessus là dernièrement là, et du collectif bien sûr. Mais je voudrais surtout prendre un petit peu de temps pour parler des opportunités, parce que sinon, à quoi bon se réveiller le matin? Pour nous, c'était vraiment, en fait, c'est vraiment l'idée de le faire ensemble, du collectif. Pour nous, ça, c'est une opportunité exceptionnelle qui fait en sorte vraiment là, d'un moteur d'action très, très fort qui permet justement de lutter contre la menace dont je parlais, là, du système dominant dans ma première partie.
Il y a l'idée aussi, comme je parlais, de l'opportunité de le faire dans la joie, dans le plaisir. On en reviendra plus tard, mais la pandémie aussi est une opportunité, en tout cas la sortie de la pandémie, du confinement. Pour nous, là, on en a beaucoup parlé, mais c'est l'idée vraiment là, de faire les choses différemment. On en a parlé aussi l'année dernière avec justement la fameuse ne pas revenir à la normale. Là, vous avez pu voir les différents documents qui nommaient ça. Puis, je voudrais terminer avec deux petits points. Une des autres opportunités qu'on voit, c'est vraiment notre capacité de se réapproprier l'économie. On en a un petit peu parlé avec au sujet de la gouvernance, mais c'est de se dire vraiment là, que justement, en créant des systèmes alternatifs, là, on se réapproprie l'économie et ça permet justement là, peut-être de mettre des petits grains de sable dans les rouages en fait, du système capitaliste actuel. Et je voudrais terminer aussi par une des belles opportunités qu'on voit là, c'est vraiment le changement de culture qu'il y a actuellement au niveau des municipalités, au niveau des équipes politiques en place. On sent vraiment là, aux dernières élections, les nouvelles élues, puis en fait, souvent les nouvelles élues femmes qui ont commencé en politique. On les sent vraiment mobilisés et motivés, intéressés par améliorer le bien-être, faire en sorte de créer des opportunités, des projets dans leur municipalité. Et ils ont à cœur vraiment là, de faire en sorte justement là, de faire face aux différents enjeux là, qui s'en viennent. Puis ça, on se dit vraiment là, qu'il y a quelque chose pour les prochaines années à venir. Soulignons au passage le mouvement Mère au front qui s'est implanté aussi à Laval. Donc, merci d'exister et merci aux élus qui poussent vers ces opportunités de la transition socio-écologique et peut-être la pandémie qu'on verra plus tard. En fait, je me tourne vers vous, les autres panélistes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic-là des opportunités et des menaces de la transition socio-écologique? Si oui, on passe à la question suivante, mais si vous avez envie de réagir... Peut-être que j'allais réagir sur un point aussi pour revenir sur ce que Christian disait avec les différentes capacités que j'introduisais finalement dans l'introduction. Je pense que tu sais, ce qui est intéressant finalement, c'est ça, c'est aussi qu'il ne faut pas être trop naïf, là, c'est-à-dire que je pense que les visions d'avenir ne seront pas exaucées de façon totale. Et ce qui est intéressant dans ce que Chloé, tu disais, c'est que je pense que la plupart des opportunités exigent une autonomie grandissante. Que ce soit le concept de commun, si on moi, je pense qu'un des grands aspects de ce concept-là, c'est si on peut commencer à le diviser et à le multiplier dans la ville, dans des espaces qu'on l'a pas imaginé. Par exemple, je sais qu'avec Solon, on a tout un projet avec la question du stationnement, par exemple. Comment le stationnement peut être vu comme un commun? Ça soulève des questions d'autonomie réglementaire, d'autonomie fiscale même, d'autonomie at large, finalement, dans le bon français. Mais surtout, moi, je pense que l'opportunité que je voulais surtout souligner, que tu as dit, Chloé, qui n'est pas banale, c'est celle de se réapproprier l'économie. Je pense qu'il y a un mouvement de finances environnementales présentement qui tente, et c'est pas parfait, il ne faut pas dire que, c'est, encore une fois, ça sera pas, il ne faut pas tout mettre nos œufs dans ce même panier-là, mais la finance environnementale, ce qu'elle permet présentement, c'est d'imaginer un monde où on paye le juste prix pour la nature ou de la façon qu'on l'utilise. Et en plus, les bénéfices de la nature deviennent, par exemple, pour des entités municipales, une source de revenus. Donc là, on vient changer finalement ce qu'un arbre peut valoir de la colonne de dépenses à une colonne de revenus. Et ça va transformer fondamentalement la façon de gérer nos gouvernements locaux. Mais encore une fois, ça va nous prendre une autonomie fiscale qui est bien différente. Mais, j'ai envie, Émile, de vous demander, est-ce que vous savez si ça se fait ailleurs dans le monde, ça? D'intégrer des actifs naturels? Ça se fait ailleurs dans le monde. On commence à le faire à plein d'endroits, par exemple. Mais c'est beaucoup des projets pilotes, il faut le dire. On a la Banque du carbone qui est encore plutôt, je dirais, dans un esprit de... dans le fond, finalement, ce qu'on dépense en carbone, on vient le racheter financièrement. Mais il y a, par exemple, un projet pilote en Écosse autour des tourbières nordiques. Donc, de reconnaître la valeur... je dirais, de captation de carbone de ces écosystèmes si fragiles mais si puissants pour la transition écologique et de voir comment on pourrait dire ben, ce que ça capte en carbone, qu'est-ce que ça vaut et ça serait financé justement par des infrastructures financières telles la Banque du carbone mais qui ouvrirait finalement des nouvelles façons de le faire. On tente de le faire dans plusieurs villes mais je pense que le moment où on est présentement, c'est plutôt... comment on fait pour développer les outils pour mesurer les services écologiques, les services, les bénéfices écologiques. Et après ça, il va y avoir toute la structure d'innovation financière qu'on devra inventer autour. Un petit détail très local. Par contre, il y a deux semaines, il y a une entreprise montréalaise qui a lancé une cartographie des cartes des arbres de l'île de Montréal au complet. Et cette cartographie-là prend en compte tous les services écologiques que les arbres rendent finalement à la communauté.
Et ce type d'outil-là, c'est un peu le point de départ pour après ça, l'entrer dans un marché finalement qui ne serait pas du carbone, mais qui serait des services écologiques. Merci beaucoup. Christian, je sens l'envie de réagir. Non. Mais c'est juste que, encore une fois, je vais juste dire qu'il faut que les règles s'appliquent à tous. Et l'autonomie veut dire que les règles ne s'appliquent pas à tous. Et dès que les règles ne s'appliquent pas à tous, il y a toujours un nivellement par le bas parce que ton voisin, lui, n'imposera pas les mêmes règles et il va attirer le développement. Donc, à titre d'exemple, la bourse du carbone fonctionne parce qu'elle s'applique à tous. S'il faut appliquer des règles municipalité par municipalité, et c'est pour ça qu'on est dans un monde interrelié. Et je tiens à passer ce message-là parce qu'il faut faire des alliances entre gens de bonne volonté dans différentes municipalités. Et Chloé a dit quelque chose de très intéressant là-dessus, d'ailleurs, sur un renouvellement des équipes municipales. Mais il va falloir qu'il y ait des règles communes. On ne pourra pas passer à côté des politiques publiques structurantes. Mais elles peuvent venir, elles doivent venir d'une mobilisation qui vienne de la base et de projets souvent pilotes qui commencent par des gens qui commencent avec une idée de fou et qui, par la suite, font tache d'huile. Et donc, ça, c'est important. Et tout par exemple, que ce que la MIS fait à travers l'innovation sociale, à travers ce que Solon fait. Mais pour la mise à l'échelle, selon moi, a besoin d'une intervention, souvent, d'un palier supérieur de gouvernement pour avoir des solidarités ensemble. C'est juste ma précision par rapport à ça. Si je vous comprends bien, ça prend les premiers saumons qui vont nager à contre-courant, qui sont un peu dans le risque, qui prennent des chances et qui sont audacieux. Puis on voit que ça marche. Puis après ça, on essaie de convaincre le palier supérieur d'établir ça sur l'ensemble. Que ça devienne une règle pour que tout le monde, exactement. Donc, ça va devoir devenir des deux côtés. Les premiers saumons et les premiers saumons. Exact. C'est ce que j'avais entendu, moi. Mais, est-ce que nous, Elisabeth, tu voulais... Non, tu peux réagir. Mais j'allais dire, tu sais, je pense que peut-être que Christian, j'ai choisi un mot qui peut-être vient de chercher en quelque part, mais finalement, moi, ce que j'ajouterais comme précision, c'est qu'il faut faire attention quand même parce que autonomie veut pas dire le libre marché où les villes vont faire tout ce qu'ils veulent. Puis tu as tout à fait raison, ça va prendre des cibles globales, puis ça va prendre des cibles nationales qu'on a déjà, des cibles même municipales qu'on commence à avoir avec les plans climat. Mais c'est toute une question de gradient, puis la nuance que j'apporterais, c'est que je ne pense pas qu'il faut se battre contre l'autonomie. Ce n'est pas notre problème présentement. C'est beaucoup plus d'avoir des cibles qui font du sens puis accompagner, comme tu dis, les communautés avec les citoyens puis convaincre par des nouveaux processus, des villes plus puissantes, des gens brillants et des nouveaux élus, des nouvelles élus de s'engager là-dedans. Et ça, on va les avoir, je pense, par un discours leur disant « Hey, la municipalité, c'est peut-être le gouvernement du futur. » Puis on est capable de faire mieux. Puis ça, l'autonomie, je pense qu'elle a un rôle là-dedans. Mais tu as tout à fait raison, ça va en prendre des cibles. Mais je pense pas qu'il y a une opposition qui est si, productive à argumenter autour de ces deux concepts-là. Là. Mais je crois que oui, mais on n'ira pas trop loin là-dedans. Est-ce que je peux juste faire du pouce rapidement? Juste sur ce que Christian disait, tout le monde se partage aujourd'hui, c'est que en termes de menaces, c'est effectivement on parlait de cibles, on parle de compétences municipales, provinciales, fédérales. Ça se négocie, ça se partage, mais en fait. Et puis, quand on parle d'avoir des projets pilotes qu'on peut multiplier finalement et mettre à l'échelle pour réellement transformer la culture puis le paysage, il faut revenir à comment est-ce qu'on gère ce changement-là et comment est-ce qu'on peut insuffler des compétences à toutes les échelles pour cadrer ce changement-là. Et donc, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse, mais l'innovation sociale, c'est un champ de pratique, c'est une démarche, c'est une approche qui permet de rassembler toutes ces parties prenantes-là autour d'une façon de faire pour justement que ces petits projets-là, qui sont révolutionnaires et radicaux, puissent se multiplier puis vraiment instaurer le changement qu'on recherche et surtout l'accélérer parce qu'on sait, le changement prend du temps et on n'a pas le temps. Donc, je pense qu'une des priorités, c'est de se donner les moyens de gérer ce changement-là pour accélérer la transition de façon cohérente et harmonieuse à travers le pays. Puis, rêvons la planète. Voilà. Je sens comme une autre tension qui est là entre justement le besoin de solutions radicales, souvent qui commencent très micro, et la capacité des municipalités
à faire foisonner des projets qui arrivent, qui sont innovants, pour lesquels on est qui ne fit pas avec le cadre réglementaire, qui ne fit pas. En fait, je dépose ça, mais je pense que la tension entre ce à quoi les municipalités sont habituées, puis le besoin urgent de solutions complètement innovantes et radicales au sens de changer les choses à la racine, comment est-ce que les municipalités peuvent s'adapter à ça, à la vitesse que les choses évoluent. En tout cas, je dépose ça pour la discussion. Mais Christian, j'ai envie de vous demander, je pense qu'on saisit à votre propos qu'un changement de profondeur doit se faire à l'échelle de l'ensemble du Québec. Les municipalités sont d'ailleurs, malgré qu'elles soient des gouvernements, encore des créatures provinciales d'une certaine manière. Mais c'est quoi alors le rôle des municipalités dans ces crises, ces multicrises qui touchent l'ensemble de la planète? On l'a touché depuis le début. Je vais le nommer très rapidement. D'abord, c'est un rôle d'innovation, d'incubation, de projet pilote. J'y crois à fond. Je crois juste que un certain encadrement ne l'empêche pas, parce que c'est là que ça se passe. Les États nationaux sont peut-être bons pour gérer des grandes crises, mais là, c'est pour faire le changement, ils sont pas là. Et donc, ça, c'est sûr que les municipalités, pour jouer un rôle d'innovation, ont un rôle super important. Le deuxième rôle, c'est tout simplement que c'est elles qui construisent. C'est elles qui ont entre les mains une bonne partie de comment on construit notre territoire. Et comment on construit notre territoire, nos quartiers, nos rues, nos maisons, est en bonne partie entre leurs mains. Et c'est ça souvent qui est le moteur de notre impact environnemental. Comment on vit? Et comment on vit? Bien, c'est construit par des municipalités. Donc, leur rôle est immense. C'est pour ça que, malgré mon discours qui dit qu'il faut des politiques public de palier supérieur au gouvernement très fort, je suis passionné par les collectivités, puis que après avoir étudié les grandes politiques en sciences politiques, je me suis spécialisé en aménagement et en urbanisme, parce que c'est là que ça va commencer, et après ça, ça peut venir à l'échelle. Donc là, c'est pour ça que toutes les stratégies sont importantes, mais si elles bougent pas, ça bougera pas ailleurs. Et il y a un leadership aussi à échelle humaine qui peut se faire là. Il y a des choses probablement plus radicales qui peuvent se tenter à ces endroits, dans les municipalités, qui peuvent difficilement se faire accepter si tu essaies de les faire partir tout d'un coup. Donc, la remise en question, par exemple, de la place de l'auto qui a commencé sur le plateau Mont-Royal au début avec des solutions plus radicales, ce qu'on s'est mis à enlever du stationnement puis changer des bords de rue, ben maintenant, ça ne fait plus beaucoup de polémiques, on ne voit plus des articles de journaux. Puis tranquillement, mais ça fait tache d'huile un petit peu partout. Puis on voit maintenant des rues piétonnes, des rues partagées dans des villages du Québec. Je le sais, on accompagne les municipalités là-dedans. C'est juste un exemple pour montrer l'importance que ça a, et effectivement qu'il y a des changements qui peuvent plus facilement commencer à là. Donc, le rôle est majeur et essentiel. Donc, on lance l'appel aux candidats et candidates aux élections municipales de mettre des propositions radicales dans vos programmes pour novembre prochain. Lorsqu'on veut des changements systémiques, la vision qu'on a du futur, notre étoile du Nord vers où on se dirige, est vraiment importante. Et pendant très longtemps, notre étoile du Nord, c'était le développement durable. Puis là, on entend de plein part que c'est peut-être un concept qui ne va pas assez loin. J'ai entendu régénérateur, j'ai entendu réparateur. Il me semble que ça va plus loin, justement, le mentionner que juste do no harm, donc ne pas de laisser la situation telle qu'on l'a connue, qu'on est arrivé. Mais là, on doit aller plus loin, en fait. C'est ce que plusieurs avancent. Alors, j'ai un petit peu envie de vous entendre là-dessus sur le changement de cadre théorique, de vision dans lequel on va. Elisabeth, qu'est-ce que vous en pensez? On vous entend pas. Excuse-moi, j'ai fait comme Christian. Effectivement, ça fait longtemps qu'on parle de développement durable. Ça a fait son chemin depuis plusieurs décennies. Et ces quatre piliers fondamentaux, économiques, environnementaux, social, sociétal et culturel aussi. Mais aujourd'hui, il faut se poser la question si on peut aller au-delà du développement durable et soutenir ce qu'on appelle effectivement le développement régénérateur. Alors que le développement durable, on dit, permet de satisfaire les besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures.
de répondre au leur. Le développement régénérateur, lui, répond à plusieurs enjeux à la fois sans générer des nouveaux problèmes. La façon dont j'aime bien me l'expliquer, en tout cas moi, parce que c'est quand même pas si accessible, c'est qu'on vise non plus à réduire notre empreinte ou à atténuer l'impact négatif de nos actions ou à faire moins pire. On vise plutôt à sortir de ce modèle mental-là ou de cette logique-là pour viser un net positif par nos actions. Donc, il faut mettre en relief aussi le fait que ce qui est durable aujourd'hui ne le sera peut-être pas dans 10 ans. Vous l'avez mentionné, je pense, Christian, quand on parle, ou je pense à Émile, quand on parle de construire une ville, est-ce que les bâtiments qu'on construit aujourd'hui vont être durables dans 10 ans? Donc, il faut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut concevoir un milieu de vie, nos villes, nos infrastructures qui soient à la fois résilientes, adaptatives et un impact positif pour l'humain et la nature au-delà de 10 ans. Et pour ça, je pense qu'il faut vraiment changer notre paradigme puis envisager une approche qui valorise le tout, hein, the whole, qui est beaucoup plus holistique, qui respecte la synergie entre les systèmes humains et naturels. Alors, quand on pense à notre façon de faire de l'agriculture, il y a de l'agriculture régénératrice, de construire des bâtiments. Il y a des bâtiments, notamment dans l'Ouest canadien, il y a des bâtiments qui sont qui empruntent la forme régénératrice. Comment est-ce qu'on peut aménager une ville ou même un jardin? On peut viser un net positif. Donc, en somme, le développement régénérateur fait appel, selon moi, à une révolution du modèle mental qu'on a. À l'échelle individuelle, je l'ai mentionné, il appartient à tous de pouvoir réinventer notre relation avec la nature, de réinventer nos liens donc avec l'environnement pour faire émerger cette relation de réciprocité qu'on a. En ce moment, la réalité est davantage une relation, en tout cas dans le monde occidental, de propriété par rapport à notre environnement. Puis je pense qu'on a beaucoup à apprendre des peuples autochtones pour revoir et réinventer notre relation avec notre environnement. À l'échelle collective, on a besoin de repenser avec une perspective beaucoup plus systémique, se donner les moyens de travailler, je l'ai dit, ensemble, collectivement. C'est d'ailleurs une des forces de l'innovation sociale. Donc, c'est ça, de voir comment est-ce que la solution qu'on apporte a un impact systémique et pas de travailler en silo, et systémique aussi par rapport aux différents systèmes naturels et humains. Donc, Émile, nouveau voisin, je pense que pour moi, c'était l'exemple proche de chez moi, concret, qui résumait bien, en fait, cet esprit de révolution mentale par rapport à repenser le développement régénérateur. C'est un bel exemple, en fait, d'une approche de développement régénérateur. Je ne sais pas si… Oui, Émile, j'ai envie de vous entendre là-dessus. Peut-être juste avant mentionner que l'an passé, ou il y a 2 ans, les Nations Unies ont déposé un rapport qui affirmait que les territoires sur la planète qui étaient les mieux gérés étaient ceux qui étaient occupés par des Premières Nations, des premiers peuples partout sur la Terre. Et c'est vraiment une perspective où les Occidentaux, les colonisateurs, on a un peu cette vision de la Terre nous appartient, alors que là, on amène plutôt la notion que nous appartenons à la Terre. C'est vraiment effectivement un shift à 180 degrés. Mais Émile, vous avez mentionné tantôt l'urbanisme égocentrique. Non, ça, c'est le problème actuel. On veut plutôt écocentrique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de cette vision-là? Oui, tout à fait. Puis je vais peut-être aussi rebondir sur quelques trucs qu'Élisabeth a dit. Puis c'est drôle que tu t'es trompé parce qu'on est à un point où si tu corriges un texte avec écocentrisme sur Antidote Word, il va te proposer égocentrisme. Donc, de notre malaise avec la nature et même dans nos outils de correction linguistique, là, ce qui est assez intéressant. Mais oui, puis avant tout dans Nouveau Voisin, tu sais, je pense que l'idée de... Parce que je trouve ça assez porteur ce que tu dis, Elisabeth, sur cette transformation mentale-là qu'on a, puis qu'un terme comme, par exemple, développement durable, qu'est-ce qui est en train de devenir de d'autres façons. Moi, je pense qu'il y a eu ce moment où on a eu besoin de concepts. Tu sais, développement durable, c'est un concept. On n'est pas dans la philosophie, on n'est pas dans même la valeur, on est dans un concept qui est opérationnel. Puis là-dedans, il y a une puissance parce que, tu sais, on était dans un moment où on n'était pas au même endroit, où ce concept-là a pu pénétrer dans des cercles économiques, politiques, puis est devenu super porteur pour faire des politiques. Après ça, bon, est-ce qu'il a donné toujours le résultat escompté? Peut-être pas, mais c'est un outil, c'est un concept, c'est un outil. C'est drôle parce que dans l'urgence qu'on vit présentement, puis on revient aux questions de temps,
Certains pourraient dire qu'on a besoin de concepts et d'outils, tout à fait, mais j'ai l'impression qu'il y a un grand besoin sur le terrain de philosophie et de valeurs. Puis là, on retourne à ce que Christian avait commencé en parlant de régénération puis de réparation, puis on a l'impression de tous emprunter ces termes-là. Mais c'est comme si les concepts, on les connaît, ils ont une valeur, mais ils ont une limite. Puis de plus en plus, moi, autant que je parle à des élus, à des fonctionnaires, à des concepteurs, à des citoyens, quand leurs yeux deviennent gros de même, c'est quand on parle plutôt justement d'une nouvelle façon de voir les mêmes choses qui côtoient. Et on peut prendre nouveaux voisins comme exemple. T'sais, l'idée de nouveaux voisins, il n'y a pas le mot développement durable en quelque part là-dedans, parce que je pense qu'on est tous d'accord que le problème, c'est plus un plus de faire du développement durable. Le problème serait peut-être de plus en faire. On devrait plus être pénalisé parce qu'on n'est pas là, plus que toujours pointer du doigt les quelques initiatives qui sont en mesure de le faire. Mais la richesse de nouveaux voisins, je pense, dans ce qu'on a essayé de faire très humblement, c'est d'essayer de faire cette transformation dans la perspective du gazon, puis dans la perspective de la cour avant puis de la cour arrière. De dire aux gens, hey, ta cour avant, ta cour arrière, c'est pas juste un salon de plus, c'est pas une pièce de plus, c'est une partie d'un écosystème. Et si tu le vois comme ça, mais là, on commence à parler de régénération, de réparation territoriale, on commence à réparer cette relation avec la nature-là, on commence à voir les insectes d'une autre façon, on commence à apprendre le nom des plantes, on commence... Et tout ça, finalement, des fois, ça demande juste une forme de... une nouvelle histoire ou un nouveau récit. Fait que pour un peu répondre à la question que tu posais, Elisabeth, moi, j'ai l'impression que ces visions d'avenir-là, on était à un moment où on avait besoin de beaucoup de concepts pour en parler, puis ils sont toujours pertinents, puis ils vont évoluer. Mais on est maintenant à un moment de l'histoire où on a besoin de récits puissants et rassemblants, plutôt à des valeurs, j'ai l'impression. J'ai envie de continuer sur la même question du développement régénératif, mais appliqué à l'aspect transition socio-écologique. Chloé, le gouvernement municipal, c'est le palier le plus proche des citoyens. La participation est plus aisée. C'est des enjeux qu'on connaît, qui sont autour de nous. Est-ce que la participation citoyenne que vous vivez dans vos projets concrets sur le terrain, j'ai envie de suggérer que la régénérescence peut s'appliquer à la communauté aussi. Alors, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, puis vous entendre sur le rôle des citoyens dans la gouvernance municipale. Oui, ben c'est sûr que pour nous, c'est au centre de notre action, la participation citoyenne, le fait que les personnes se mettent ensemble. Pour nous, le plus important, c'est vraiment le collectif, donc des citoyens qui se mettent ensemble pour transformer leur milieu de vie, pour améliorer leur voisinage, que ce soit avec des projets sur l'énergie, ou que ce soit des projets de mobilité ou des projets en culture, ou juste des projets de rencontrer de temps en temps parce qu'ils aiment ça boire des verres avec leurs voisins. Il y a vraiment ce moteur-là est très puissant parce qu'à partir du moment où les gens se rencontrent, presque qu'importe le résultat, c'est le processus. Ils se sont rencontrés, ils se sont fait confiance, ils se sentent capables. Et ça fait des personnes qui vont après beaucoup plus être intégrées dans cette participation citoyenne-là, qui vont poser des questions à leurs élus, qui vont vouloir faire des choses à plus grande échelle, qui vont être une force transformatrice vraiment importante pour leur quartier, pour leur collectivité, et bien sûr à l'échelle d'une municipalité également. Donc oui, c'est sûr que c'est une force quand même assez importante. Puis c'est central, c'est notre hypothèse de départ. C'est de se dire que comme on a mis des conditions gagnantes pour permettre ce pouvoir d'agir collectif-là, c'est ça qui va réussir en fait la transformation et l'amélioration là, de nos milieux de vie, puis donc de pouvoir rendre possible la transition socio-écologique. Puis c'est aussi ce que vous faites avec Effet Transition, c'est aussi ce que fait la plupart, on est un peu en famille, la plupart d'entre nous. Là. Donc c'est sûr que les citoyens, c'est vraiment clé dans la gouvernance municipale, dans la gouvernance locale. Par contre, je mettrais deux bémols parce que c'est pas non plus le panacée, c'est pas non plus la seule chose. Parce que le citoyen, il y a également un écosystème autour de lui, et le citoyen n'est pas la seule clé, n'est pas la seule réponse en fait aux enjeux. Je pense qu'il faut aussi faire attention au fait qu'il est dans un écosystème avec des organismes intermédiaires, avec des organismes communautaires, avec des institutions aussi municipales ou gouvernementales qui se transforment. Et donc, c'est de prendre en compte les citoyens dans cet écosystème-là et non pas le mettre à part et comme la solution à tout. En disant, on va consulter les citoyens ou on va intégrer les citoyens, puis c'est comme ça qu'on va réussir. Je pense que c'est vraiment aussi important là, de prendre en compte là, cet écosystème-là. Mon deuxième bémol, puis j'en ai un petit peu parlé en introduction, c'est le fait qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas voix au chapitre.
Puis aujourd'hui, l'action de l'inclusion, tu en as un petit peu parlé, Alexandre, au début, c'est vraiment central dans la réussite. Puis c'est comment donner voix aux personnes qu'on n'entend pas aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement difficile aujourd'hui. Mais pourtant, c'est quelque chose qui devrait quand même être aussi moteur dans nos actions. Donc, c'est comment mettre en place des structures, des projets qui facilitent justement la participation citoyenne des personnes qu'on voit moins, alors que ce sont souvent les personnes qui vont être le plus touchées par les enjeux climatiques. On parle des personnes en situation de pauvreté, les futurs réfugiés climatiques, les personnes, justement, on en parlait là, des peuples autochtones plutôt dans la conversation. Donc, c'est comment, en fait, faire en sorte que quand on parle de participation citoyenne, on parle bien de participation de toutes, parce qu'aujourd'hui, et selon, on est les premiers à le voir, les profils des personnes sont un profil assez homogène. Et donc, comment favoriser une meilleure participation pour aller vers justement une justice environnementale, une justice sociale. Donc ça, pour nous, c'était ces deux points aussi fondamentaux dans cette gouvernance locale. Mais ils ont quand même un rôle décisionnel clé, là, les citoyens. Puis Christian l'a un petit peu parlé au tout départ, là, c'est vraiment cette force-là du collectif qui va faire en sorte que cette municipalité de l'avenir va pouvoir voir le jour un jour, quoi. J'ai envie d'en rebondir, puis la question plutôt est pour tout le monde, mais Chloé, j'aimerais votre réponse là-dessus. Comment est-ce que la transformation du rapport horizontal, j'ai envie de dire, entre les citoyens, donc une collectivité qui apprend à se connaître, des voisins qui ne se parlaient jamais, qui maintenant font des projets ensemble, donc ce rapport horizontal, comment est-ce que ça influe sur le rapport vertical, c'est-à-dire des citoyens envers la municipalité? Et j'ai envie de dire, tant au niveau de l'appareil municipal que même des élus. Ben, c'est sûr que ce rapport peut être pas toujours, peut être assez conflictuel. Hein. Il faut savoir que souvent, les groupes de citoyens vont avoir un rapport d'influence, vont vouloir modifier les choses, vont donc quelquefois un petit peu se confronter justement à un rapport peut-être plus vertical des institutions municipales comme on les connaît aujourd'hui. Mais donc c'est de voir en fait comment cette horizontalité-là peut faciliter justement au contraire de casser un peu les silos municipaux, puis c'est ce qu'on est en train de voir dans différentes municipalités du Québec. Donc c'est comment en fait ils peuvent influencer ça sans aller à la confrontation un peu radicale. C'est là aussi où c'est important d'avoir des organismes intermédiaires comme la MISE, comme nous, qui puissent en fait donner porte-voix à ces citoyens-là, tout en connaissant en fait les mécanismes municipaux. Donc il y a tout un travail aussi là de liens de confiance qui peuvent être faits. Puis on imagine aussi on espère un changement de culture au niveau municipal. Puis encore une fois là, on le voit de plus en plus. Là, l'idée vraiment là de que le citoyen n'est pas seulement vu quelqu'un à consulter ou quelqu'un à juste informer, mais vraiment de le voir de manière beaucoup plus partie prenante, décisionnelle dès le départ. Est-ce que les autres panélistes, avez-vous des exemples où il y a des rapports très harmonieux qui se sont développés ou au contraire, justement, des rapports de force un petit peu dans la tension entre la municipalité et les citoyens qui s'organisent entre eux? Christian, je vous vois sourire. Il y a... Je suis peut-être trop dans une vieille mentalité de réel politique, mais... Je vais faire une comparaison. Il y a déjà un urbaniste que je respecte beaucoup dans le Canada anglais, Brent O'Dorian, qui a déjà dit si un urbaniste est pas toujours sur le bord de la porte parce qu'il veut trop innover, c'est qu'il fait pas son travail. Si des groupes citoyens se chicanent pas un petit peu, si des groupes de citoyens qui veulent que les choses changent se chicanent pas, sont pas un peu en tension avec les gouvernements, que ce soit de proximité ou un peu plus haut, c'est qu'ils font peut-être pas leur travail. Parce qu'il faut toujours repousser la limite. C'est toujours la bonne vieille tension entre collaboration et confrontation. Là. Et donc, j'aurais tendance à dire que si tu t'entends trop bien, c'est le temps que tu montes le volume, je pense. J'aurais tendance à faire ça. C'est la stratégie de vivre en ville depuis des années, toujours dans ce tango-là. Petit exemple, à une certaine époque, on demandait au gouvernement de dépenser 30 % du budget en transport dans le transport en commun, puis 70 % en route. Quand on a eu le 30 %, on a dit non, pour faire l'Ontario, ils sont plus proches de 50 % il faut demander 50 %. Donc, je crois que d'un point de vue de mobilisation, si on veut que les choses changent, il faut toujours être dans cette tension-là. C'est assez,
C'est assez intéressant ça quand même parce que, juste pour bondir là-dessus, parce que depuis tantôt, vu qu'on parle de, justement de régénération et de réparation, il y a quand même il y a une beauté là-dedans, mais elle est quand même passive, tu sais, des fois. Mm. Et je suis assez d'accord avec ce que tu dis, finalement, Christian, il y a comme quand même l'importance de reconnaître qu'il y a des conflits qui sont des fois nécessaires puis qui sont sains, finalement, tu sais. Et donc, comment je dirais, donc de tomber dans certaines philosophies qui sont peut-être plus, ben, finalement, qui rassemblent les gens, veut pas dire que c'est un long fleuve tranquille. Et au contraire, on a besoin de chiens de garde. Puis ça demeure souvent que c'est les citoyens et les citoyens qui le sont. Là. Je pourrais rajouter aussi, en fait, c'est intéressant, même si Stéphane était encore avec nous. En fait, on a toutes les parties prenantes du système parce que, il y a les militants, les activistes qui font pousser, qui dérangent, qui perturbent, hein, qui crient, ils amplifient la voix puis ils demandent le changement. Et ça dérange. Après ça, tu as le système, donc les décideurs publics, qu'on doit, enfin, c'est eux qui font le système, c'est ce qu'on mise, on vise à changer le système. Et après, tu as tous ces pépites, ces acteurs, ces actrices de changement, les porteurs de projets qui démarrent des projets pilotes. Laval aussi en transition, c'est cette richesse-là qui émane du terrain. Et donc, c'est d'orchestrer, puis de naviguer, puis de les faire parler pour accélérer le changement. Mais et après, on a besoin d'intermédiaires aussi pour essayer d'amplifier, enfin, de mettre de l'huile, en fait, mais peut-être pas une tache d'huile, mais de mettre de l'huile dans l'engrenage pour que les systèmes puissent avoir une meilleure capacité d'adaptation, d'être plus agiles. Parce que, on le dit, c'est la gestion. Pour moi, c'est un enjeu clair de la transition, la gestion de changement. Il faut être capable d'avancer plus rapidement. Donc, se donner les moyens d'accueillir ces innovations-là, se donner les moyens aussi de faire ce qu'on appelle en anglais, excusez-moi, le culture shift, hein, de provoquer ces transformations de système mental ou la culture. Et puis, finir juste pour ça, regarde même Émile avec le projet Nouveau Voisin, au-delà d'engager les gens à revoir leur relation avec la nature et leur jardin, le rôle de leur jardin dans le tout, c'est aussi de travailler sur ces récits puis cette culture, de voir... Ah ben finalement, le gazon, c'est peut-être pas si beau. Ça serait peut-être beaucoup plus joli d'avoir cette diversité. Donc, c'est de travailler sur tous ces aspects-là en même temps, qui est un grand concert, en fait. J'ai envie de nous amener ailleurs, ou peut-être chez vous, chez nous. Je vais jumeler quelques questions que vous avez préparées. Est-ce qu'il y a une municipalité dans le monde qui vous inspire particulièrement? Est-ce qu'il y a une municipalité qui est en avance? Est-ce qu'on est en retard au Québec sur certains aspects? Quelles sont les innovations en fonds municipal qui vous stimulent et que vous auriez envie qu'on voit ici? Puis on se lance. Je vais nommer Émile comme volontaire. Hey, celle-là, j'y ai pensé longtemps et je ne savais pas par quel bord la prendre parce que, tu sais, puis juste le portrait qu'Élisabeth vient de faire de comment on promouvoir le changement, on le voit, tu sais. Puis c'est drôle parce que tu disais, c'est un peu un orchestre, puis entre nous quatre, je vois, on est différents joueurs de cette même orchestre-là, tu sais. On peut avoir selon avec finalement des citoyens qui jouent un rôle puis qui sont appuyés, avec Vivre en ville qui vient assurer que le message a une écoute plus large, avec la MIS qui travaille dans les processus, puis nous, dans l'innovation, par exemple, réglementaire, financière, bref. Mais il y avait tellement de bords de la prendre que je suis plutôt allé dans la facilité, puis qu'est-ce qui m'a inspiré récemment de la part d'une municipalité. Puis je dis c'est une municipalité, mais ça n'en est peut-être pas... c'est moins une municipalité, mais c'est la municipalité régionale de Comté, donc la MRC, de Mégani, mais plutôt finalement la communauté Innu d'Equanishit, qui a reconnu la rivière Magpie comme personne juridique il y a 2 semaines. Qu'est-ce que je trouve inspirant là-dedans? Bon, mais là, on retombe dans les amours du labo pour lequel je travaille, qui est sur l'innovation réglementaire, législative, entre autres. Mais c'est l'idée que je pense que là, il y a notre futur, je pense, par rapport à des actions radicales en lien avec notre relation à la nature. C'est-à-dire reconnaître les droits de la nature comme quelque chose d'indépendant, reconnaître qu'une rivière peut avoir le droit de couler, et donc que cette reconnaissance-là permet finalement à des communautés locales, donc des citoyens qui la connaissent, qui la pratiquent, qui l'habitent, de défendre ces droits-là d'une façon plus puissante que même si c'était la façon qu'eux sont impactés. Pour moi, il va y avoir une porte législative qui va s'ouvrir, qui s'ouvre tranquillement. Si je ne me trompe pas, il y a déjà des initiatives similaires en Nouvelle-Zélande et même au Canada. Je pense qu'en Colombie-Britannique, il y avait aussi une rivière qui a été reconnue.
Et ça revient à ce qu'on disait tantôt, pourquoi cette municipalité-là de comté m'inspire, mais surtout la communauté Inuit finalement qui a l'idée, le projet, c'est le fait qu'on revient à l'idée d'initiative radicale locale. Donc, c'est pas la Cour suprême du Canada qui le reconnaît, mais eux l'ont enchâssé dans les moyens, les outils qu'ils ont, aussi minimes qu'ils soient, pour être capable de faire du bruit, puis que ça se fasse entendre, puis que si jamais il y a un barrage ou il y a différentes interventions qui arrivent là, ils vont être capables de faire valoir finalement ce droit-là d'une certaine façon, et en espérant finalement qu'il y a peut-être d'autres communautés qui vont regarder à des bouts de leur territoire de cette façon-là finalement. Parce que c'est on revient à l'idée des perspectives différentes, là c'est une perspective qui devient opérationnalisée dans la loi. Il y a quelque chose d'assez puissant là, je trouve. Ouais. Ça me fait faire le lien avec la justice sociale de laquelle on parle, parce que c'est une autre perspective. Si on considère que des éléments écosystémiques, une forêt, une rivière, est un être au Dieu de la loi, on peut donc parler au nom des sans-voix et défendre les sans-voix, comme on le fait des fois entre êtres humains. Mais là, les sans-voix, ce sont des êtres non humains. Je pense que ça révolutionne quand même la façon de défendre et de protéger nos écosystèmes, notre nature. Je me tourne vers les autres panélistes, cette même question large, inspiration, retard, qu'est-ce qui se fait ailleurs qui vous stimule, Chloé? Ben c'est ça, moi je suis pareil que Émile, j'ai cherché aussi longtemps, puis en fait, parce que je me disais, on allait sûrement, tu sais, parler beaucoup là, de grandes villes comme Montréal, comme Laval, comme, parce que c'est aussi notre carré de sable à nous. Puis j'avais envie de me tourner vers des plus petites municipalités. Donc, Émile, t'as un peu mis la table. Mais moi, je suis allée un petit peu plus du côté européen avec des toutes petites municipalités, là, des villages, notamment en France, comme Kilgenshine. Donc là, j'ai un très mauvais accent alsacien, donc on va sûrement me reprendre. Mais c'est des petites municipalités qui œuvrent depuis des années en démocratie beaucoup plus participative. Par exemple, dans cette petite municipalité-là, il y a des conseils en fait participatifs qu'on menait vraiment plein de projets citoyens. Puis donc le maire en a fait vraiment une démarche. D'ailleurs, il a même écrit un bouquin là-dessus, là justement pour favoriser la participation citoyenne dont on vient de parler. Mais c'était vraiment intéressant parce que lui aussi il disait en fait ça marche vraiment bien, on est super content là qu'il y a eu beaucoup de projets, puis c'est des projets structurants, justement on a des parcs notamment, mais pas que. Puis encore une fois c'était de dire oui, le problème c'est encore une fois le problème de l'inclusion, parce que oui, il marche par tirage au sort pour ces conseils là puis quand des personnes en situation de pauvreté sont tirées au sort, c'est juste une personne sur six là, qui viennent au conseil parce qu'ils ont juste pas le temps, parce qu'ils ont d'autres priorités. Puis ça revient souvent. Puis ça fait aussi un parallèle avec des municipalités de plus petite taille au Québec qui sont aussi extrêmement créatives avec vraiment le peu de moyens qu'ils ont, alors que les municipalités sont sursollicitées sur un paquet de choses. On voit, bah, Christian en a parlé, puis elle est assez connue, il y a Saint-Camille, mais il y a également d'autres municipalités, là, Notre-Dame-du-Nord, Saint-Férol-des-Neiges, qui font des petits projets où justement les citoyens sont vraiment au centre, parce qu'en fait ils se connaissent tous, puis souvent les élus sont bénévoles, en plus c'est du temps là, qu'ils prennent en soirée pour œuvrer vraiment pour la municipalité, puis c'est très inspirant là, de voir vraiment ces communautés-là très, très serrées, puis qui se rebroussent un peu, qui y vont un petit peu là, tous ensemble, puis ça fait toujours plaisir à voir. C'est inspirant, merci beaucoup. Christian? Oui. Je vais aller sur quelque chose qui se passe actuellement aux États-Unis. J'aime bien nous comparer souvent à les exemples américains parce qu'on a des parallèles culturels et aussi de manière de construire nos villes qui sont semblables. Je vais aller du côté de certaines villes progressistes, notamment la bonne vieille Portland, mais également d'autres endroits. Je pense à Minneapolis, même des Cambridge autour de Boston, qu'ils ont instauré l'idée radicale, puis écoutez ça, dans ces endroits-là, à quelques détails près, là, par exemple dans les endroits patrimoniaux, des choses comme ça, il est dorénavant interdit d'avoir un zonage unifamilial sur un étage. Donc, à Portland, dorénavant, partout, si tu as un lot, une maison, tu as le droit de éventuellement la transformer, la reconstruire. Mais si tu le fais, c'est obligatoire que ça soit un minimum de 3 étages.
Le but étant évidemment de... et aux États-Unis, il y a beaucoup de droits à la ville autour de ça, et même de, dans certaines villes, de droits à la ville liés aux questions raciales, parce qu'il y a une augmentation des valeurs foncières en raison de la rareté qui est créée par le fait qu'il n'y a pas assez d'habitation et qui se retrouvent exclus, ben souvent les minorités raciales qui se retrouvent, qui n'ont pas les moyens d'avoir droit à la ville. Donc, une densification, et là, on parle d'une densification relativement douce. On parle de 3 étages, on ne parle pas de tours d'habitation. Et maintenant, dans les règlements municipaux. Donc, moi, quand je parle à des villes au Québec de faire ça, là, on me regarde avec des gros yeux. Pourtant, ça se passe aux États-Unis. Et ça vient même pas d'un enjeu. L'enjeu environnemental fait partie parce qu'on va utiliser moins de ressources, on va éviter l'étalement urbain. Mais dans ce cas-là, ça a été le droit à la ville qui a été un des déclencheurs pour construire un nombre suffisant d'unités pour, et j'en reviens à mon idée initiale, qu'on le veuille ou non, il y a une augmentation de la population, il y a une augmentation démographique et il est très important de la gérer. Donc, il y a des villes américaines qui interdisent le zonage en bas de 3 étages. C'est quand même pas mal radical quand on y pense. Tout ça pour avoir un impact environnemental limité puis avoir une plus grande accessibilité au logement. Et moi, je trouve ça très intéressant pour un pays comme celui-là de faire ce genre de choses-là. La Californie est en train d'aller dans ce sens-là aussi. Évidemment, c'est un enjeu qui est très pertinent pour le Québec, la densification. Hein, on le vit beaucoup encore en accéléré depuis le début de la pandémie. En fait, la non-densification, l'étalement urbain. Alors, Élisabeth, inspiration, ville, oui, municipalité. Ville. Oui. J'irais carrément, puisque j'ai été moins originale que les autres. Moi, j'avais choisi Montréal, en fait, la grande région. Montréal, je me suis dit que les autres allaient toutes sortir des pépites. Moi, je me suis dit non, moi, je reste avec mon Montréal. Et la grande région métropolitaine, bien sûr, on veut encourager, on veut Laval. Puis pourquoi? Parce que il faut reconnaître quand même que c'est sûr qu'il y a toujours, on peut toujours faire mieux, mais la multiplicité, la quantité de projets citoyens qui émanent de cette ville et le leadership aussi, le leadership récent quand même, on doit le reconnaître. Pour l'avoir vécu, parce que j'ai quand même travaillé 8 ans à la ville de Montréal aux communications, il faut avoir énormément d'audace. J'ai énormément de respect quand même pour les fonctionnaires, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de créativité puis de talent chez les fonctionnaires, contrairement à leur mauvaise réputation parfois. Et j'ai aussi beaucoup de respect pour les politiciens, les politiciennes qui se lancent aujourd'hui, les élus, parce que c'est un métier malmené. Et je trouve qu'effectivement, il faut le reconnaître, il y a eu quand même beaucoup de leadership récemment pour prendre des décisions qui étaient audacieuses et qui continuent de l'être. Donc, si tu veux, je peux embarquer avec une idée d'une innovation qui me parle beaucoup, mais je ne sais pas si je devance ton... En fait, on arrive à la fin de la partie panel et je veux garder le temps, puis on est quelques minutes de retard, puis il faut laisser le temps aux citoyens de poser des questions. Mais je tiens à vous poser la question de conclusion, parce que je pense qu'on est plusieurs qui voulons vous entendre là-dessus pour avoir des inspirations. À l'aube des élections municipales du 7 novembre 2021, si vous étiez élu maire ou mairesse d'une banlieue telle que Laval, quels seraient, et là, je vais vous demander ça en rafale, vos 3 gestes prioritaires, urgents et qui auraient le plus grand impact? Et après ça, on va passer aux questions des citoyens. Émile. Ah, on ne vous entend pas. On va passer à Élisabeth, puis on va regarder pour le micro. Moi, je me concentrerai probablement sur les 3 projets sur lesquels on m'a élu, hein, parce que la confiance se gagne par goutte et se perd par litre, et que la confiance dans nos instances démocratiques est clé pour le vivre ensemble. Donc, ça, c'est la première chose. Évidemment, j'aurais prêché durant ma campagne électorale pour ma paroisse. Donc, je créerai une équipe à compétences transversales
ou horizontale pour l'appareil municipal en matière d'innovation sociale et de sciences comportementales pour soutenir justement les idées innovantes à fort potentiel d'impact social et environnemental qui émanent non seulement de la communauté, mais aussi de l'administration. Je le disais, il y a beaucoup d'idées innovantes et d'expertise dans l'administration, mais ils n'ont pas toujours les moyens de les déployer rapidement parce qu'il y a ces élections à chaque 4 ans et que la gestion de changement, elle est difficile à gérer. Donc ça sera ma première priorité. Deuxième priorité, je reverrai d'emblée de concert avec les experts et les expertes de la fonction publique les processus d'approvisionnement de la ville de façon intégrée avec les autres services, notamment juridiques et finances. Et bien sûr, ma nouvelle équipe d'innovation sociale, pour accélérer la mise en place de processus qui permettent de provoquer des changements radicaux en matière de transition, d'approvisionnement, mais qui soient cohérents avec la transition socio-écologique. Et dernièrement, comme le budget de la ville et de toutes les villes sont largement et excessivement dépendants des taxes foncières et municipales, ce qui est qui a une incidence directe sur l'accessibilité au logement et la capacité d'action de la ville, je formulerai des objectifs intégrés à mon équipe de finances pour qu'elle travaille aussi avec le bureau d'évaluation et les autres paliers gouvernementaux pour innover en matière de finances. Donc, on en a parlé, Émile en a parlé, l'innovation financière et réglementaire est clé pour justement diversifier nos revenus, dégager davantage de marge, voir comment est-ce qu'on peut générer des nouveaux revenus différents de façon innovante pour axer nos priorités sur logement, transport actif collectif, accessibilité à une alimentation saine, puis agriculture urbaine, par exemple. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Émile, on va revenir vers vous. Oui, mes premières secondes en politique municipale, j'ai été muselé. Ça part mal. Mais ouais, j'étais un peu moins direct qu'Elisabeth, mais il y a beaucoup de points qui se recoupent. Mais le premier point, moi, était plus sur s'inspirer de l'histoire de Laval. J'ai eu l'opportunité de travailler sur l'analyse urbaine et historique de cette île-là, et ça m'a complètement fasciné. Et j'ai l'impression que comme dans plein de domaines, que ce soit l'agriculture biologique, où on se réapproprie des vieilles façons de faire au goût du jour, dans l'histoire, dans l'ancienne structure urbaine territoriale de Laval, il y a beaucoup de réponses sur les milieux de proximité, sur les façons de se déplacer, sur l'identité territoriale, sur la fierté, sur l'engagement citoyen dans cette peuplade de villes et de paysages qui forment l'île Jésus. Donc, je pense que là, il y a comme un passé qui est à dépoussiérer, qui, moi, m'avait fasciné. Puis après, bon, je vais pas répéter le truc qu'Elisabeth a dit, mais il y avait beaucoup de choses autour. J'ai l'impression qu'effectivement, que ce soit un bureau interne de l'innovation financière et réglementaire ou même de l'innovation municipale, ou que ce soit un bureau finalement partagé peut-être avec un réseau de villes pour réfléchir à ces questions-là, je pense que c'est essentiel. Pourquoi? C'est qu'en attendant justement qu'on ait soit des nouvelles façons d'agir ou les coups des franges peut-être dans certains domaines, si on veut atteindre ces grands plans climat-là ou ces plans nationaux-là, il faut se les approprier localement. Et je pense qu'il y a plein de zones grises dans la réglementation. Il y a plein de stratégies financières qui peuvent être déployées. Et tout ça, bien sûr, avec des citoyens, donc les impliquer dans ça. Donc peut-être que moi, un de mes objectifs, ça serait de se dire comment on peut rendre finalement intéressant et même passionnant ces questions-là de structure de la ville aux citoyens. Pas pour leur demander un OK ou un non, mais bien pour les inclure dans le processus de conception de ces innovations-là. Voilà. Parfait, merci. Christian et Chloé, je vais vous donner un exercice encore plus difficile. Le temps filant, je vais vous demander votre priorité numéro 1. Qu'est-ce que ça serait? Christian. Je vais y aller, puis je ne dis pas que je vais gagner mes élections avec ça. J'aurais tendance à dire, pour essayer de concilier l'urgence environnementale, l'urgence de faire du plus beau, pourquoi pas y aller sur réduire un pourcentage d'asphalte? Dire que les stationnements vont être moins nombreux, moins laids. Et effectivement, je crois pas que beaucoup de citoyens trouvent les stationnements pratiques, mais pas grand monde les trouve beaux. Et j'ai comme l'impression qu'il y a là une clé. En plus des cours avant, comme le propose Nouveau Voisin, il y a là une clé de jouer sur la déminéralisation. J'ai déjà fait une chronique, puis c'est une de mes préférées, un de mes textes préférés, c'est toujours le stationnement. C'est toujours le stationnement qui arrête tout, qui arrête la place pour le transport actif, qui arrête le vertissement,
qui crée les îlots de chaleur, qui nous rend dépendants de la voiture parce qu'il est tellement facile. J'aurais comme tendance à essayer d'y aller, mais à faire un narratif pas mal plus intéressant que qu'est-ce que je vous fais là en 30 secondes. Mais ça tournerait autour de ça et pourquoi j'irais avec cette clinique. Le slogan pourrait être à bas le stationnement. Et je pense que c'est parce que, ouais, ça serait gagnant. Mais je pense que c'est parce que aussi, quand j'étais jeune, je viens d'une banlieue qui est Saint-Hubert, l'autre côté. Et je pense que c'est ça qui a déclenché ma passion actuelle pour les villes quand j'ai vu des morts de stationnement arriver dans le champ à côté de chez nous. Donc, c'est pour ça que je pense que j'aurais cette idée-là. Alors, on salue les gens de Saint-Hubert. Et Chloé, finalement, si vous étiez mes restes demain, votre priorité? Christian, je voterais pour toi. Moi, je suis à fond aussi sur l'idée qu'il y a beaucoup trop... La place de la voiture et la place du stationnement est bien trop importante dans les villes d'aujourd'hui. Si j'avais une chose à dire, à part vouloir révolutionner la loi sur les cités et les villes et donc devenir ministre des Affaires municipales, ce serait de réduire, de faire seulement 2 mandats maximum et de changer complètement aussi la vie démocratique à l'intérieur des municipalités. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Marianne, je vais te passer maintenant la parole pour que tu puisses nous partager des questions et des commentaires des participants. Et il y en a beaucoup. Alors, j'espère que vous êtes prêts pour un petit sprint parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'on va malheureusement dépasser le 21h. Question de permettre à tout le monde ou du moins de poser un maximum de questions. Je tiens déjà, Christian, à te mentionner que Janie voterait aussi pour toi. Donc, tu aurais au moins 2 votes avec celui de Chloé. Donc, j'ai envie de commencer avec une question qui vient de Jonathan. Pour une ville comme Laval, ville typiquement banlieusarde, où une majorité de citoyens n'ont Dieu que pour Montréal, comme le commentaire d'Elisabeth pourrait le prouver, comment intéressons-nous le citoyen lambda à transformer sa propre municipalité en ville de l'avenir plutôt que ses villes voisines? Je ne sais pas qui a envie de se lancer. Peut-être Chloé, oui? En fait... C'est pas tant une question, je pense, là, de Montréal versus Laval. C'est vraiment pour moi une question de quartier, de voisinage. Donc, c'est commencer par juste connaître ses voisins et se donner des opportunités de faire des choses ensemble. Pour moi, c'est juste la première pierre d'un long chemin qui termine vers une transformation radicale de son quartier, de son milieu de vie. Je vais pas prendre trop de temps, mais ça serait ça ma réponse. Ça va, je fais du pouce sur un commentaire que Janie a fait où elle mentionnait « La COVID m'a rapproché de mes voisins en se concentrant sur notre quotidien sans voyage. Ça nous rapproche de l'essentiel. Notre maison, notre quartier est devenu notre seule source de sociabilisation, effectivement. » J'ai envie de revenir sur une idée qu'Elisabeth a mentionnée, d'intégrer des spécialistes de la psychologie comportementale quand on veut implanter des changements structurels et on sait qu'il va y avoir la résistance. Il y a des gens qui savent comment nos cerveaux fonctionnent, les inclure dans les airs. Est-ce que je peux rebondir là-dessus? Bien sûr! Parce que nous, à Solon, on a eu un prof en psychologie comportementale pendant 6 mois à Solon, tous les mardis midi, et ça a vraiment beaucoup changé nos manières de faire. Il y a vraiment une avenue, Elisabeth. Garde bien ton idée. Je veux ses coordonnées, peut-être? C'est bon. On va les mettre dans le chat que tout le monde pourra voir. Émile, la main levée. Oui. J'allais juste ajouter sur ce point-là. Tu sais, puis c'est drôle parce que ça va revenir chercher certains concepts qu'on a parlé ce soir, qu'on parlait de prendre soin des choses. Tu sais, puis l'idée des communs, il y a beaucoup de ça. Mais tu sais, une des façons que le cerveau humain est fait, c'est quand justement il commence à non seulement comprendre un objet ou un territoire ou un petit lieu, et il commence à en prendre soin. Donc, on peut reprendre l'idée de Christian. Si un voisinage décide de déminéraliser un espace, on a les Velvet à Montréal pour avoir d'autres dimensions, d'autres projets de cette ampleur-là ou de cette nature-là ailleurs. Mais cette action-là, finalement, de s'engager physiquement avec des voisins et qu'on prend soin d'un lieu ensemble, je pense que là, il y a comme assurément une stratégie pour l'identité finalement territoriale ou l'identité d'un lieu ou d'un voisinage. Donc, finalement, ça peut être une question très politique de dire quelles sont les choses qu'on peut remettre dans les mains des citoyens pour qu'ils apprennent à prendre soin de leur lieu ou qu'ils prennent soin comme ils le veulent. T'sais. Je rebondirais aussi, est-ce que si... il y a peut-être... Vas-y, juste vas-y. Pour faire du chemin un petit peu sur ce que Christian a mentionné quand même, les politiques de logement sont super importantes pour mobiliser des citoyens parce qu'on veut pas, en fait, créer des quartiers où tout le monde se ressemble.
La mixité d'un quartier, c'est un indicateur qu'une ville est en santé. Et donc, il faut se donner des politiques et des moyens aussi pour encourager cette mixité-là. Ça, on le sait déjà, ce n'est pas de l'innovation, mais tout ce qui peut venir nourrir ça aussi, pour répondre à la personne qui posait la question, encourager la mixité peut aider à engager le citoyen, parce qu'on voit quelqu'un qui ne nous ressemble pas et on favorise l'engagement entre ces personnes-là. J'ai envie de vous poser une question que Luc demandait dans la zone de conversation. Est-ce possible que les municipalités du futur, pour être autonomes, ressemblent davantage aux villages du passé, éloignés? Peut-être Christian là-dessus? Il y a effectivement de ça, mais je pense qu'on n'aura pas le choix non plus de continuer à être interdépendant. Mais c'est clair que moi, personnellement, je suis un grand adepte de la proximité. Je ne comprends pas pourquoi, pour des choses du quotidien, telles que l'école primaire, telles que l'épicerie, on puisse ne pas s'assurer d'essayer de les avoir à distance de marche, à titre d'exemple. L'Allemagne est très innovante et refuse d'avoir des épiceries. Là, ça ne peut pas avoir 40 000 pieds carrés comme un IGA extra avec 20 caisses. Je vous donne un exemple. Là. C'est ça aussi, hein, faire des choix. Si on veut réduire notre empreinte, ça veut dire parfois y aller sur, pas Walmartiser l'ensemble de nos institutions. Je donnerais juste l'exemple de l'école. Au Québec, maintenant, on construit des écoles primaires de 26, 28, 32 classes. Il n'y a aucune chance que ça soit une école de proximité à cette grosseur-là. C'est sûr que ça va être un bassin énorme où est-ce que tout le monde va venir en auto, en autobus, et il n'y a plus personne qui va marcher. Donc, et ça revient un peu à ce qu'Émile, quand il parlait de l'ancien tissu urbain, si on veut, de Laval ou de sa composition. Moi, je me bats tous les jours pour ce genre de choses-là, mais il faut avoir des conversations sérieuses sur un certain nombre de choses, dont les commerces, dont les institutions, qui sont faites à une autre échelle, qui sont pas faites à l'échelle de la proximité de la marche, mais souvent à l'échelle de la voiture et du transport motorisé. J'ai vu que Chloé, tu voulais aussi réagir là-dessus. Ben oui, parce que selon nous, quand on pense à la mobilité, on pense tout de suite à la proximité. On n'aura pas le luxe de ne pas se poser la question de revoir complètement de pourquoi on se déplace. Si on veut vraiment faire en sorte de réduire la place des transports actuellement, c'est qu'il faut en fait que nos services de proximité, comme les écoles, l'épicerie, les services aussi de santé pour les aînés, se fassent dans un périmètre de marchable. Donc, sans ça, sinon, malheureusement, on ne va pas pouvoir lutter contre les changements climatiques, c'est certain. Oui. Émile, je voyais que tu voulais aussi réagir. Je me fais un devoir de rappeler cette anecdote-là à toutes les fois que je peux le faire pour sauter sur ce que Christian vient de dire et aussi Chloé. Mais la même semaine que le gouvernement du Québec avait adopté sa politique de développement durable, donc ça commence à dater, c'est la semaine que la SAQ a pris la décision de fermer leur succursale de proximité dans les villes de région pour ouvrir des succursales avec plus de pieds carrés puis plus de caisses dans des power centers. Donc, ça démontre des fois ces fractures finalement de nos visions, mais je pense qu'elle mérite d'être racontée au moins une ou deux fois par année. Là. Je la fais là. On m'a déprimé un peu aussi. J'en ai sauvé quelques-unes des succursales pour la petite histoire. J'ai même déjà rencontré les hauts dirigeants de la SAQ et j'ai un peu contribué à arrêter l'hémorragie. Bon, j'arrête. Je voulais le dire. c'est bon de le dire. Puis, en fait, je trouve ça intéressant ce que vous avez mentionné, puis je pense que ça vient répondre aussi en même temps à la question de Claude qui se demandait ce que vous pensiez du concept de mode de vie durable, puis comment justement, il mentionnait parce que notre mode de vie, il faut le changer essentiellement. Donc, je pense que justement d'aller vers des quartiers à échelle humaine, comme ce que vous mentionnez, des quartiers qui sont marchables, justement, est effectivement une piste intéressante à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous aviez peut-être envie d'en rajouter sur la question de Claude par rapport au concept de mode de vie durable ou si on faisait pas mal, ça faisait... Non, je pense que je me permets de contribuer d'un paradoxe hein, qu'on a aussi à Laval, celui justement de la densification. Souvent, on a ce rêve-là de quartier, on veut marcher,
Mais en même temps, si on dit ça veut dire qu'il va y avoir des immeubles de 3-4 étages autour, là, on n'est plus le quartier. Donc, je nous appelle, concitoyens, à être conscients de ce paradoxe-là et de peut-être que ça veut dire que, justement, des quartiers de bungalows, c'est pas écologique. C'est, on fait partie du problème. Donc, il faut se détacher de cette vision-là. C'est un bon point. Élisabeth, tout à l'heure, vous avez mentionné que le changement prend du temps. Luc se demande de combien de temps disposons-nous selon vous? Puis là, j'élargis pas juste à Élisabeth, mais à tout le monde. Si je pouvais le donner, je pense qu'on peut suivre Greta, puis on peut suivre plusieurs sites pour nous donner certains indicateurs qui vont nous causer beaucoup d'éco-anxiété. Et justement, on est en train d'incuber un projet mené juste par un groupe de maires au front pour ce projet d'éco-anxiété chez les jeunes. Donc, malheureusement, je n'ai pas la réponse pour monsieur. Mais certainement, il faut pas baisser les bras puis abandonner, mais certainement regarder comment est-ce qu'on peut, je le répète, là, j'ai l'impression de répéter, mais se donner les moyens, pas juste attendre les innovations, mais se donner les moyens pour trouver les solutions. Hein? S'il faut pas attendre l'innovation en soi, c'est comment innover ensemble pour accélérer la transition. Et peut-être que là, on pourra se permettre d'avoir un petit peu de recul puis dire, OK, on s'est acheté peut-être pas du temps, mais en tout cas, on a renversé la vapeur. Merci, Élisabeth. Ileana se demandait, est-ce que tous les panélistes sont d'accord avec l'idée de la finance verte? La nature, selon elle, n'a pas de prix. Trouvez-vous que cette vision est intéressante pour la transition? Peut-être parce que je l'ai amené, je peux répondre rapidement. Vas-y. Je partage tout à fait son opinion, puis le mot-clé, finalement, c'est transition. Tu sais, je pense que, parce que même il y a des effets pervers à voir ça comme une solution qui serait la solution idéale. Au contraire, je pense qu'il faut être très vigilant quand on commence à utiliser des outils qui sont problématiques. Et les rendre finalement bénéfiques de certains égards. Parce que qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend un résultat qui était négatif, puis on le rend positif, mais le processus qui est problématique demeure le même. T'sais. Donc ça, il faut être très vigilant. Je pense que là où il y a des potentiels, c'est qu'effectivement, on peut, dans l'idée de transition, dans l'idée d'urgence, avoir des actions qui sont radicales au sens où on est capable de financer finalement les infrastructures vertes qu'on a besoin. Mais c'est ça, il va falloir avoir une extrême vigilance de se dire ceci n'est pas la solution pour apprendre à vivre avec la nature et ceci n'est surtout pas la solution pour dompter un système économique qui est trop gourmand. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait envie de réagir à ça? Vas-y, Chloé. je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, Émile, puis... il y a aussi un peu l'idée de décroissance aussi derrière, là, de se dire que justement le système actuel n'est plus possible et d'avoir justement une vision de la décroissance, mais beaucoup plus positive et non pas de se la faire imposer. Je pense que de le faire ensemble en collectivité, c'est ça qui va rendre possible cette transition, donc ce changement d'état-là. La finance verte peut peut-être être un outil transitoire, mais avec l'idée derrière de peut-être réfléchir complètement notre système en place et d'aller vers quelque chose qui est plus vers la décroissance. Je sais que c'est quelque chose qui peut faire peur, mais nous, on essaie de le voir de manière positive et non imposée. Christian, vous vouliez aussi réagir? On peut prendre la prochaine question. Je vais laisser la place aux questions. Pas de problème. Josiane se demandait, comment verriez-vous un outil comme le budget participatif afin de permettre une plus grande implication des citoyens dans la vie municipale? Christian, j'ai envie de vous lancer la POC. Ben d'accord. Budget participatif, c'est une porte d'entrée. Moi, je le vois comme une porte d'entrée vers une augmenter l'intérêt de la population pour la chose municipale. Faut pas oublier que c'est le palier de gouvernement où est-ce que le taux de participation est le plus bas, malheureusement, même si c'est le plus intéressant. Donc, pour nous. Et c'est une excellente porte d'entrée pour intéresser les gens
à la chose municipale et à commencer à leur donner du pouvoir. Je crois qu'on est tous d'accord ici pour dire qu'il va falloir une plus grande implication citoyenne. Si on veut des changements radicaux, il va falloir qu'ils soient dans le coup. Je suis pour les politiques publiques contraignantes, mais je sais que ça ne fera pas le travail tout seul. Et il faut les amener tranquillement. Donc, c'est un bel outil. Et pour les suivre un peu au Québec, c'est souvent des projets assez structurants hein, qui sont sélectionnés par les gens. Pour moi, c'est un outil parmi d'autres pour éveiller. Mais à la fin, il va probablement falloir des changements structurels plus profonds. Mais c'est vraiment intéressant de voir que ça fait tache d'huile et ça démontre aussi une augmentation de la préoccupation des gens là, pour qu'est-ce qui se passe dans leur localité. Je finirai là-dessus ma réponse. Moi, ça fait maintenant plus de 15 ans que je travaille dans le domaine. Et ce qui me réconforte et me donne de l'espoir, c'est le fait qu'il y a de plus en plus d'implications citoyennes. Des soirées comme vous faites actuellement, là, il n'y en avait pas beaucoup il y a 15 ans. C'était souvent dans des quartiers centraux, des grandes villes. Mais il y avait les banlieues, on ne faisait pas beaucoup. Il y a vraiment un mouvement intéressant qui se passe, puis le budget participatif en fait partie. Super intéressant. Elisabeth? Je pourrais rebondir. Oh, Émile, voulais-tu... Non. Vas-y, je prends la balle après. Mais rapidement, moi qui venais du milieu des arts, quand je suis arrivée à la Ville-Centre, on m'a dirigée vers les finances pour gérer les communications. Et j'étais vraiment le cordonnier mal chaussé, mais quelle expérience, en fait, ça m'a ouvert les yeux de voir à quel point, d'ailleurs, la petite tarte, avant, on avait une petite tarte à la ville de Montréal, je ne sais pas, j'ai été voir le budget pour Laval, mais il n'y avait pas ces tartes-là. Il y avait une tarte juste pour les dépenses, hein, là, on prend un dollar, puis à quoi sert le dollar, mais il n'y avait pas de tarte pour les revenus. Et pour moi, c'était fondamental comme citoyenne de comprendre, mais ils viennent d'où les revenus? Et là, on a vu 70 % de la tarte, c'était les taxes. Alors, plus on veut des services, plus on veut investir dans des infrastructures, plus il faut taxer. Plus on taxe, plus les loyers augmentent. Donc, effectivement, quand on parle de budget participatif et de sensibiliser les citoyens à la gestion d'une ville, pour moi, ça a été un grand eye-opener. Toutes les priorités de la ville passent par le budget. Et là, il y a des promesses électorales là-dedans, puis il y a des volontés, il y a des citoyens qui parlent plus fort que d'autres. Alors, comment est-ce que c'est complexe? Et donc, oui, je suis pour cet engagement et cette littératie financière municipale. Et je suis aussi pour l'innovation financière parce qu'il faut sortir de ce dilemme où on est complètement dépendant des taxes foncières de revenus. Voilà. Je voulais juste ajouter une idée et un exemple. Je pense qu'il y a une idée qui est très forte, puis il n'y a pas un mot qui est aussi bien en français, puis c'est plutôt rare, mais c'est l'idée d'une démocratie fitness. Comme si on s'entraîne au gym, mais pour la démocratie, puis ce genre d'outils-là en font partie. T'sais. Puis c'est-à-dire, quel autre type de machine on peut inventer pour que les citoyens puissent s'entraîner à cette démocratie-là? Et ça, je pense que c'est un enjeu en soi. Puis après ça, ben, tu sais, comme on vient de dire, la démocratie, le budget participatif, c'est quelque chose qu'on commence à maîtriser assez bien. T'sais, ça l'a fait ses preuves. C'est pas parfait, mais on le connaît. Donc, c'est se dire, ben, quelles sont les autres, je dirais, structures plus rigides comme le budget où on peut impliquer les citoyens. Puis juste donner par exemple, c'est ça, il y a une initiative à Taïwan qui s'appelait V-Taiwan qui tentait dans l'innovation réglementaire de faire co-écrire finalement des règlements avec des citoyens. Donc, comme un document participatif en ligne comme on utilise tous aujourd'hui. Et là, on est capable, avec un service de la greffe, un service de planification, des avocats et une gang de citoyens, de co-écrire des règlements puis tester finalement des normes. Après ça, bon, ça a plein de complexités puis on peut juste le faire pour certaines thématiques. Mais l'idée n'est pas bête et n'est pas inintéressante. Et c'est ça, voir quelles sont les autres portes qu'on peut ouvrir pour renforcer finalement la démocratie locale, ça c'est intéressant. Je peux me permettre un petit commentaire, moi aussi. J'ai l'impression que c'est le premier outil pour aller en mode co-construction, municipalité et citoyen de notre devenir. C'est la première étape pour donner effectivement ce pouvoir-là d'avoir une action concrète sur notre ville. Je mettais là-dessus. Justement, parlant d'implication citoyenne, Marie-Josée se demande comment répondre aux enjeux de l'impossibilité de s'impliquer. Prenons l'exemple typique de la mère monoparentale avec 5 enfants.
sans compter la surimplication et les consultations maladroites qui découragent les citoyens. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Comment on répond à ça? Est-ce que je peux y aller? Vas-y, Chloé. Parce que nous, c'est ça. D'ailleurs, il y avait une des questions qu'on n'a pas pu répondre, c'était pendant la pandémie, là, est-ce que la mobilisation citoyenne, est-ce que ça a ralenti ou ça a accéléré? Ce serait utopique de dire que ça a accéléré. C'est sûr que la mobilisation citoyenne a été plus difficile cette année parce que les gens, bien sûr, avaient d'autres idées en tête que de se mobiliser sur ces questions-là. Et c'est, nous, comme c'était du collectif, c'était donc se rassembler, donc c'était un petit peu, un peu difficile l'année dernière. Mais par contre, on s'est rendu compte que quand même, les gens qui restaient, qui prenaient le temps, qui participaient, qui continuaient de participer, c'est des gens qui étaient vraiment avec une drive assez importante et qui après une journée de Zoom au travail, se reprenaient un Zoom le soir pour faire avancer leur projet. Donc, il y avait quand même un sentiment quand même de vouloir toujours avancer. Et puis ça nous a énormément porté après au niveau second. Sur l'impossibilité, il faut savoir que... c'est sûr qu'il y a différents moyens de s'impliquer. Oui, le temps est une denrée très, très importante. Puis nous, dans le récit, ça revient toujours, tout le temps, comment on ralentit comme société. Comment on fait pour diminuer à 4 jours pour avoir une 5e journée qui serait dédiée à notre implication citoyenne? Comment on fait en sorte qu'on ne soit pas toujours vers toujours courir après notre temps, mais de le réduire collectivement? Parce que c'est sûr que s'il n'y a que quelques personnes qui le font, ils vont s'épuiser parce qu'ils vont voir que l'entièreté de la société court après cette heure-là. Puis nous, la notion de temps, elle est essentielle dans ce mouvement qu'on porte, mais n'est vraiment pas évidente. Et ce qui est formidable chez les mères monoparentales, justement, c'est à quel point, par exemple, le réseau des amis, le réseau des voisins est fondamental dans leur gestion du temps, justement. Donc, pour qu'elles puissent réussir, c'est qu'elles connaissent leurs voisins. Si elles connaissent leurs voisins, c'est qu'il y a des liens de confiance et donc des petits projets, justement, là, d'entraide entre voisins qui peuvent se développer. Et ça, juste ça, pour nous, c'est déjà une implication formidable. Donc, des fois, c'est juste des petits projets comme ça qui prennent toute leur importance. C'est un très bon point, effectivement. J'ai envie de terminer, puis là, je m'excuse aux questions qui n'auront pas trouvé réponse, mais j'ai envie de terminer avec une question, Jenny, justement en lien avec justement cette fameuse pandémie, mais aussi la crise climatique. Elle mentionne les gens ont tendance à quitter, ou du moins on observe des gens qui quittent les grandes villes pour retourner vers la Terre. Est-ce vraiment envisageable de rendre une grande ville comme Montréal, Laval, qui sont des villes densément peuplées, donc que ces villes deviennent écologiques, ou est-ce un combat perdu d'avance? Donc, j'ai envie de vous poser cette question pour clôturer, question de que vous nous fassiez peut-être miroiter un peu de positif. Qui voudrait se lancer? C'est assurément pas perdu d'avance. Là, j'ai l'impression que, pour revenir un peu, on en a parlé d'entrée de jeu. Je pense que moi, c'était ma vision à la première réponse, mais je pense que tout le monde autour de la table la partageait. On parlait de la municipalité du futur, mais ce seront les municipalités du futur. Et s'exiler pour différentes raisons ou une forme d'idéal qui a une valeur, des fois qu'il y a beaucoup de romantisme, mais qui a quand même une valeur, c'est tout autre chose de décider de demeurer en ville puis d'adapter son mode de vie de façon différente. Donc, puis c'est drôle parce que je pense que ça revient dans plusieurs de nos discussions ce soir, dans plusieurs des concepts qu'on a amenés, que notamment l'engagement citoyen. On est tous fervents, fait que là, nous, on en parle comme s'il fallait être les plus engagés. Mais pour la question de la mère de tout à l'heure, juste d'être ici ce soir ou juste d'élever un enfant dans ce contexte-là, il y a une forme de militantisme que j'y vois. Donc, je pense que tous les concepts qu'on a parlé ce soir, il faut appeler à la nuance et c'est tous des concepts qui doivent être pluriels, finalement, qui auront plusieurs natures, comme il y aura autant de villes, il y aura autant de militantistes qu'il y aura de militants. Et c'est, je pense, une des premières façons de voir le truc pour pas se déprimer, là. Mais ouais. J'ajouterais aussi, on a parlé des peuples autochtones et comment on peut apprendre d'eux, parce qu'ils voient leur relation, ils appartiennent à la Terre. Et donc, je pense qu'on a pour la mère de monoparentale ou la mère de 5 enfants qui se demande comment être impliquée, je rejoins Chloé, je rejoins Émile.
il y a différentes formes d'implication citoyenne et il y a différentes formes aussi pour répondre à la personne qui se demandait est-ce que c'est utopique de penser que Montréal ou Laval peut être une ville écologique un jour. Ça commence avec l'idée de réinventer sa relation ou de revoir sa propre relation avec notre environnement et avec l'engagement. L'engagement citoyen pour une mère de 5 enfants, c'est peut-être d'aménager son petit coin de ruelle pour permettre à d'autres enfants de venir jouer, de voir quelles sont les activités qui peut lui apporter plus de temps tout en répondant à son besoin. Donc, les gens des communautés vivent des problématiques et c'est souvent eux qui ont les meilleures solutions en tête ou qui peuvent imaginer ce dont ils auraient besoin. Il s'agit de le communiquer. Tu n'as pas besoin de réfléchir et de faire. Il y a un rôle pour tout un chacun là-dedans. Mais ça commence avec réinventer sa propre relation par rapport à la vision de l'avenir et avec l'environnement. Et à partir de là, on peut travailler collectivement, à mon avis, si ça peut lui donner un peu d'espoir. Christian, voulez-vous rajouter? Oui. Ben, je trouve la question de Zanie par rapport à la ville écologique j'ai un texte en principe qui devrait sortir la semaine prochaine dans la presse en collaboration avec ma collègue Jeanne qui va s'appeler qui tourne autour du repli ou du rebond et je tiens à dire que actuellement le mode de vie écologique là il est beaucoup plus à Laval et à Montréal que dans un chalet où est-ce que tu t'es accaparé des ressources, un bout de terre beaucoup disproportionné par rapport à la capacité de nos écosystèmes et de la terre de le faire. À moins que tu sois là puis que tu aies une activité endogène sur place, ça va. Mais si tu es dans un mode où est-ce que tu es complètement plugué sur une économie d'une métropole mais que tu l'as fait à 100 km, il y a quelque chose là qui fonctionne pas au niveau du respect de la capacité des écosystèmes. Il faut toujours s'imaginer, si tout le monde faisait ça, qu'est-ce qui arrive? Donc, selon moi, notre avenir n'a pas le choix. On est 8 milliards, et j'en viens à ma remarque, on est 8 milliards sur la Terre. Notre avenir devra être urbain, devra être sobre, et devra effectivement trouver les moyens de reprendre un certain pouvoir sur notre vie en ville. Je reviens à notre nom et d'en faire des milieux qui sont soutenables pour réussir là, que le compteur retourne puis qu'on monsieur qui posait on a combien de temps, on n'a pas beaucoup de temps. Donc c'est une urgence d'agir sur nos milieux qui ont déjà une empreinte écologique souvent relativement acceptable et qu'il faut améliorer à vitesse grand V, mais c'est une nécessité de les rendre plus attirants et plus écologiques. La solution n'est pas dans un repli caché dans le bois, c'est pas soutenable. Merci. On n'a plus le temps, mais si on n'a plus le temps, c'est pas grave. Hein. Mais rapidement, Chloé. Vraiment rapidement. Moi, pendant la pandémie, j'ai jamais été aussi contente d'habiter en ville. Voilà. Parce que je trouvais que les liens de solidarité, d'entraide, de proximité, de fait de marcher son quartier, de connaître ses voisins, ça m'a fait beaucoup de bien en matière de santé mentale et de se réapproprier l'espace physique comme on a vu avec les VS, les voies cyclables, en tout cas les voies actives sécuritaires, merci. Les ruelles vertes, tout ça, ça a fait en sorte vraiment là, de passer à travers. Je voulais juste finir avec ça. Je vous remercie pour vos magnifiques réponses. Je vais abonder dans le sens de Virginie, justement, qui sur Facebook nous mentionne « Quel panéliste captivant, merci et bravo ». Alors, je vous passe ce commentaire, puis je vous remercie du fond du cœur. Ça termine la partie des questions citoyennes. À toi, Alexandre. Merci beaucoup, Marianne. Bien, en fait, c'est comme ça que se clôt la première édition d'Effet Transition. Alors, je tiens à remercier chaleureusement nos 4 panélistes, Chloé Dodino, Elisabeth Listine, Émile Forêt et Christian Savard. Vraiment, un grand merci. Merci beaucoup et très chaleureusement aussi à nos concitoyens qui étaient là pour nous écouter activement, pour poser des questions et mettre des commentaires, partager vos réflexions. C'est par vous que ça passe le changement. Donc, merci d'avoir été là tout au long des faits transition. À nouveau, également, merci à nos extraordinaires coordonnateurs, à nos merveilleux bénévoles, à nos précieux partenaires et à nos exceptionnels fournisseurs et collaborateurs qui ont rendu ce projet possible. Et je vais en nommer quelques-uns qu'on remercie tout particulièrement. Delphinus Media, K-Eco, HKD Design, ID Nomade, Jean-Philippe Dupuis,
agence communautaire, Cyber Impact, le tiers-lieu coop de solidarité, formation en intelligence collective, la fantastique équipe du parc de la rivière de Mille-Îles Éco-Nature, le pôle régional économie sociale de Laval et Agilo Conte de Cinequinox. Laval en transition, ça ne pourrait pas aller de l'avant sans ces nombreux projets, dans ces nombreux projets plutôt, sans l'engagement des citoyens et des citoyennes, de qui proviennent d'ailleurs la majorité de nos initiatives, hein, que ce soit en temps, en partage d'expertise, monétairement, chaque contribution est vitale pour le développement de notre mouvement. Et si vous voulez un effet transition numéro 2, on vous invite à vous impliquer grandement. Vous pouvez le faire. Vous pouvez rejoindre la communauté de Lavalois, Lavaloise en transition pour vous impliquer ou pour contribuer. Et vous pouvez visiter le lavalentransition.org ou rendez-vous dans notre groupe Facebook Lavalois, Lavaloise en transition. Tous les liens vont être collés dans la zone de conversation et vous seront envoyés dans le sondage pour connaître vos impressions de l'activité. Effet transition se termine donc ce soir, mais ce n'est pas la fin des activités de Laval en transition. Au contraire, aussi, je veux vous convier tous et toutes, chers concitoyens et concitoyennes, à poursuivre l'aventure de la transition socio-écologique avec nous. Donc, en même temps qu'effet transition, il y a un autre magnifique projet qui a pris son envol, c'est la caravane de la transition. Donc, c'est une équipe de bénévoles magnifiques, dynamiques et super motivés. Cette caravane-là, elle a été mise en place pour vous aider dans la réalisation de projets citoyens qui sont porteurs pour vous, pour Laval, pour votre quartier, que ce soit à l'échelle hyper locale, votre coin de rue, vos voisins ou votre quartier. Pour organiser une collecte de déchets, mettre en place une corvée de plantation d'arbres, proposer un atelier sur la conception de produits zéro déchet, débuter un jardin collectif, proposer une fête de voisins ou de quartier, ou tout autre projet à petite ou grande échelle, chaque citoyen lavallois peut maintenant se référer au site caravane-transition.org pour publiciser, partager le projet que vous souhaitez promouvoir et aussi recruter d'autres citoyens pour aller mobiliser dans ce projet-là et être outillé et accompagné pour le mettre en place. Alors, on arrive à la fin. Merci beaucoup, Marianne. Je suis Alexandre Warnet, co-porte-parole de Laval en transition, enracinant la transition à Laval. N'oubliez pas de voter aux prochaines élections. Ayons de l'effet, parce que si on agit ensemble, c'est vrai que ce ne sera plus jamais pareil comme avant. Ça va être mieux. Bonne soirée.